Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur Méridien Zéro, l'émission française et francophone de Radio Bandeira Nera, disponible en écoute et réécoute chez nos camarades québécois, de Québeca Liberata. Wilsdorf à la barre ce soir pour une émission qu'il faut bien qualifier d'actualité, puisque nous aborderons ensemble ce qu'il faut appeler la polémique autour de ce que l'on nomme le retour de l'anneau de Sainte Jeanne d'Arc. Pour ce faire, je serai accompagné par notre ami Pierre Stader. Bonsoir Pierre. Bonsoir chers auditeurs. Habitué de nos émissions, comme vous le savez, comme consultant et spécialiste financier, mais pas seulement, en l'occurrence aussi et surtout comme fin connaisseur de l'histoire de l'Église catholique. Sa connaissance du sujet nous sera particulièrement précieuse pour tenter de comprendre les enjeux liés à cette affaire. Pour parler de Jeanne ce soir, nous avons le grand plaisir de recevoir Monsieur Louis-Hubert Rémy, écrivain, historien. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Donc monsieur Rémy, vous êtes... comme je disais, écrivain, historien, fondateur et président des Amis du Christ Roi de France, animateur du site du même nom, vous mettez à disposition notamment un nombre impressionnant de textes et de documents. Vous êtes un des grands spécialistes de la pensée antilibérale, dans la droite ligne de grands auteurs comme Jean Vaquier ou le Marquis de la Franquerie, pour ne citer qu'eux. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, je renvoie nos auditeurs à votre site pour plus d'informations concernant vos livres, notamment et surtout cet ouvrage essentiel dans la connaissance et la compréhension de la mission et du personnage de la Pucelle de Don Rémy. Ce livre, La vraie mission de Sainte Jeanne d'Arc, sorti en 2012 aux Amis du Christ Roi de France. Alors, au-delà de l'actualité liée à au retour de cet anneau et des polémiques en tout genre, nous verrons ensemble ce que fut cette mission et comment aujourd'hui le personnage de Jeanne est l'objet d'enjeux qui nous dépassent bien largement et au travers de ce que beaucoup veulent nous faire paraître comme un mythe, elle reste pour vous et de nombreux catholiques la solution à nos maux d'aujourd'hui. Je cite là Thierry Martin qui avait fait l'introduction de votre ouvrage. Mais peut-être avant de commencer cette émission, pouvons-nous rappeler à nos auditeurs les événements récents liés au retour de l'anneau ? Alors en effet, cet anneau est revenu en France d'une façon complètement miraculeuse. Et j'ai été à l'origine de l'initiative qui a amené Philippe de Villiers à être l'homme qui a pu racheter ce que Charles VII n'avait pas pu faire lors de l'emprisonnement de Jeanne. Et pourtant, ce n'était que 12 000 écus. C'était 10 000 écus, ce n'était pas une terrible somme, mais on n'a jamais été capable donc de racheter Jeanne. Ici, on a été capable de racheter la seule relique qui existe, donc l'anneau de Sainte Jeanne d'Arc. Bien. Dès le départ, chose très étonnante et pas naturelle, quand cet anneau fut mis en vente, personne n'en a parlé, aussi bien dans les journaux anglais que dans les journaux français. Nous l'avons appris par... un petit passage du site Spoutnik, fin décembre. C'est passé par notre ami Reynald de Secher qui nous a fait donc connaître cette affaire. Tout de suite, je m'en suis inquiété et passionné avec une autre amie en disant il faut absolument que cet anneau revienne. Nous nous sommes mis en prière, chaque soir récitant une vingtaine d'amis, récitant donc les litanies de Sainte Jeanne d'Arc, pour mettre de notre côté le ciel, demandant au ciel de faire donc ce miracle extraordinaire de faire revenir Jeanne en France. Très vite, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de personnes s'y passionnaient et l'anneau qui était estimé entre 15 000 et 30 000 euros est monté très rapidement à 50 000 et 100 000 euros. Et 4 jours avant la vente, je me suis dit, ça va encore monter beaucoup plus. On est à quelle date, s'il vous plaît, cher Louis Hubert, à ce moment-là ? C'est le lundi. Alors, c'était le vendredi 28 que ça a été vendu. Et donc, le lundi précédent... 28 de quel mois ? Février. Voilà. Et donc, le lundi, je me suis dit, ça va être terrible, il faut trouver une solution. Et en réfléchissant, je me suis dit, il n'y a qu'une seule personne capable d'acheter cet anneau, c'est Philippe de Villiers et le Puy du Fou. J'ai donc appelé Maître Trémollet de Villers, que j'avais connu en 2012, quand mon livre est sorti. Nous avions déjeuné ensemble, discuté de pas mal de choses, et à l'époque, il était en train de corriger le manuscrit du livre de Philippe de Villiers sur Saint-Louis. Et donc, j'avais appris qu'ils étaient très intimes, et j'ai appelé Monsieur Trémollet de Villers en lui disant « Maître, savez-vous que l'anneau de Jeanne est en vente ?» Il me dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Je ne suis absolument pas au courant, mais c'est sérieux, etc. Nous en parlons pendant une demi-heure. Je l'enthousiasme donc à cette aventure et je lui dis, il faut absolument appeler Philippe de Villiers et lui seul peut obtenir donc avec le Puy du Fou le rachat de cet anneau. Il appelle tout de suite bien sûr Philippe de Villiers. Dès le mardi matin, Philippe de Villiers m'appelle. Il me dit, Monsieur Rémy, est-ce que c'est sérieux ?
Il s'avère qu'entre-temps, déjà depuis le début janvier, j'avais mis en mon ami Roch de Coligny sur l'affaire. Roch de Coligny est un expert à Drouot, particulièrement spécialisé dans tout ce qui est sceaux, bagues du Moyen-Âge. Numismatique, vexillologie, toutes ces matières qui sont liées à la représentation symbolique des pays, des églises, des états, des religions, etc. Alors Roch a fait une étude très détaillée, il a pris contact même avec la salle des ventes à Londres, et on en avait convenu que c'était très sérieux. Je dis à Monsieur de Villiers, préparez un trésor, quoi, parce qu'on va certainement monter à 500 000 euros. Il était surpris, mais il s'est mis donc en recherche, et dès le mercredi, il me dit, ça y est, on a la somme, on doit pouvoir s'en sortir. Oui, à ce point, il convient de préciser, cher Louis Hubert, qu'il était possible de voir les enchères sur Internet. Oui. Il y avait des pré-enchères, donc c'est comme ça que vous aviez la vue sur le montant et la Absolument. Somme qui croissait. Voilà. Et alors, donc, le mercredi, donc, les choses semblaient très bien s'orienter. Quand le jeudi matin, à 9h du matin, il m'appelle en me disant « Monsieur Rémy, je viens de raccrocher avec Monsieur Contamine, donc membre de l'Institut, grand spécialiste de Jeanne d'Arc. C'est lui qui a dirigé le dictionnaire joannique, livre passionnant et très important, et qui est responsable, bien sûr, du centre joannique de Rouen, où quand même le Conseil Général a consacré 2 millions d'euros pour mettre en place ce centre joannique. Et Philippe Contamine lui dit, n'achetez pas, c'est un faux. Monsieur de Villiers me dit, Monsieur Rémy, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis, Monsieur de Villiers, d'abord, quelle preuve en a-t-il? Alors il me dit, il croit que c'est du 19e. Je lui dis, ça c'est absolument pas sûr, hein, et il faudrait donc aller voir sur place l'anneau, et il s'est avéré que l'anneau était bien du 15e. Bon, après expertise. Ensuite, je lui dis, mon épouse, qui était directrice d'archives à Nantes, un jour a acheté un document chez Christie à Londres, vendu pour appartenant à Anne de Bretagne, étant signé par Anne de Bretagne. Ayant été à Londres le chercher, dès qu'elle a vu le document, elle a dit, c'est pas Anne de Bretagne. Elle l'a ramené et en effet, c'était signé Anne de Beaujeu. Et Christie, sans aucune difficulté, a remboursé. Alors je lui dis, si c'est un faux, ils rembourseront. Et je lui dis, chose plus importante, nous qui sommes catholiques, nous demanderons que le bon Dieu permette de donner sa signature de cet anneau en faisant baiser cet anneau par quelqu'un de très malade. J'avais un ami mourant, hein, qui est mort d'ailleurs le 21 mars, au lendemain de la fête du 20 mars au Puy du Fou. Un garçon très brillant, un polytechnicien, et à qui j'avais demandé que s'il guérissait, il se consacre donc au combat de Jeanne, et il m'avait dit tout à fait d'accord. Bien. Alors je lui dis, Monsieur de Villiers dit tout à fait d'accord. Arrive le jour de la vente, le vendredi 28 février. Dès 17h30, il m'appelle en disant, Monsieur Rémy, vous êtes le premier que j'appelle. Nous avons gagné. Alors nous étions bien sûr très très heureux. Je lui dis, Monsieur de Villiers, il faudrait qu'on se voie, puisque jusque-là nous n'avions fait que des échanges téléphoniques. Et on se donne rendez-vous le mardi suivant chez Maître Trémollet de Villers à Paris. En arrivant à cette réunion, Monsieur de Villiers comme Monsieur Trémollet de Villers, quoi, ont tenu à me remercier énormément en disant, bon, sans vous, jamais on n'aurait pu acheter, mais je lui ai quand même bien précisé, Monsieur de Villiers, sans vous et le Puy du Fou, jamais nous n'aurions pu réaliser cette aventure, quoi, qui s'est avérée être exactement à 500 000 euros, puisqu'il y a 360 et quelques mille prix de la bague, 25% pour la maison qui vendait, et les frais annexes, ce qui a fait un peu plus de 500 000 euros. Bien. Mais cette entrevue, qui devait être vraiment une entrevue courtoise, qui a été très courtoise, j'avais préparé un certain nombre de choses. Et je lui ai dit, Monsieur de Villiers, qu'est-ce que vous pensez faire de cet anneau? Et il m'a dit, on va en faire donc une grande fête autour du Puy du Fou, et on va essayer donc de faire quelque chose qui se tienne autour du Puy du Fou. Je lui ai dit, Monsieur de Villiers, cet anneau appartient à la France. Cet anneau appartient à l'Église. Cet anneau, c'est quelque chose de gigantesque. 600 ans, elle a été dans le pays qui considérait Jeanne comme une sorcière. Hein, et maintenant, il faut que Jeanne revienne en France, hein, il faut qu'elle prenne la place qu'elle doit prendre. Si cet anneau est revenu, c'est un miracle de la Providence. Et nous avons vu en plus le miracle qui a été donc obtenu grâce à la reine d'Angleterre, hein, qui a obtenu donc que maintenant, définitivement, l'anneau reste au Puy du Fou. Alors je lui dis, Monsieur de Villiers, il faut faire une église reliquaire de cet anneau. Mais cette église reliquaire ne doit pas être n'importe quoi. Il faut que ça soit une église reliquaire qui raconte à tous les gens qui viendront visiter toute l'histoire de France
l'histoire religieuse de la France. Et je lui dis, il faudra faire sur des statues, il faudra faire des mosaïques, il faudra faire des vitraux qui rappelleront les grandes pages de l'histoire de France. Parce que la France est avant tout chrétienne, la France est catholique, et ce retour de l'anneau, c'est pour nous rappeler tout cela. En particulier, il faudra ressortir les saints des traditions de Provence, qui sont ceux qui nous ont amenés directement de Judée toute l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, les Lazare, Marthe, Madeleine, Maximin. Il faudra aussi faire rappeler à tous les Français des gens complètement inconnus comme Saint-Martin, Saint-Remy, Saint-Martin qui a fait l'unité de la France, Saint-Remy qui a créé la France avec Clovis, Saint-Denis, Saint-Hilaire, Sainte-Geneviève, Sainte-Clotilde. Il faut relancer Saint-Louis, Sainte-Jeanne d'Arc, Saint-Charlemagne, Saint-Vincent de Paul, Saint-Bernard, Louis-Marie Grignon de Montfort, le grand apôtre de la Vendée, Sainte-Marguerite-Marie, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, le Saint-Curé d'Ars, Saint-Pie V, le sauveur de la France. La France ne sait pas que sur la tombe de Saint-Pie V, donc à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, il y a marqué, sur la tombe, marqué « Sauveur de la France ». C'est Saint-Pie V qui, en payant tout le combat, l'armée à Moncontour, hein, la plus grande bataille qui ait lieu sous l'Ancien Régime, hein, où il y a eu plus de 20 000 morts, hein, c'est lui qui a sauvé la France à ce moment-là du protestantisme. Il faudra aussi faire des statues de Saint-Pie. Sachez qu'en France, il n'y a pas de statues de Saint-Pie. Vous avez 3-4 statues de Saint-Pie dans les églises de France, parce que la France était déjà complètement moderniste et n'a jamais voulu fêter Saint-Pie comme il le mérite. Bon, il faut une statue de Grégoire IX qui a fait la grande lettre à Saint-Louis, extraordinaire, en rappelant la tradition, enfin le rôle de la France, le rôle mystique de la France. Il faut faire une statue de Pie XII, de Sainte-Blandine, de Saint-Martial, de Saint-Trophime, de Saint-Potin, de Saint-Irénée, des quantités de saints qui ont marqué notre pays, qui sont des géants. Hein. Il faut une statue de Saint-Michel, le patron de la France. Il faut une statue de Saint-Vincent Ferrier qui est venu mourir à Vannes, hein, après avoir prêché toute la France. Il faut faire une chapelle du Christ au roi de France. Il faut faire une chapelle de Marie, reine de France. Il faut rappeler La Salette, Lourdes, Pontmain, Saint Thomas d'Aquin, Saint Dominique, Saint Ignace, Mélanie Calva, Marie-Julie, Saint Bonaventure, Sainte Bernadette, Catherine Labouré, Sainte Colette, etc., etc. Alors, je dis donc, il faut que ça soit un mausolée, quoi. Ça soit, c'est l'occasion ou jamais, quoi. Bien. Et je lui dis, même plus, il faudrait faire une quête. Une souscription nationale, parce qu'il faut que toute la France, donc, participe à cette création. Bien. Et même, d'autres pays seront complètement passionnés. En Amérique, vous avez les Amis de Jeanne d'Arc. En Écosse, vous avez les Amis de Jeanne d'Arc. Même en Russie, vous avez les Amis de Jeanne d'Arc. Et actuellement, il se prépare quelque chose d'extraordinaire sur la Place Rouge. Là, il parle de mettre une statue de Sainte-Jeanne d'Arc sur la Place Rouge. Alors, et la Hongrie aussi, qui est très sensible partout, à Sainte-Jeanne d'Arc. Partout, dans le monde entier, tout le monde voudra participer. Et donc, il faut absolument cet élan extraordinaire, quoi, de cette grande sainte unique dans l'histoire de l'Église, hein, qui est un monument. L'histoire du monde, etc. Et je lui dis, il faut faire une souscription. Et à tous les gens, je lui dis, c'est des idées quoi, qu'on échange. Hein. Tous les gens qui donneront 10 000 euros, on leur donnera une copie de la bague en or. Tous les gens qui donneront 5 000 euros, on donnera une copie de la bague argentée. En argent et doré. Tous les gens qui même donneront 50 euros, on donnera une bague en laiton. Et on dira, femmes de France, portez la bague de Jeanne. Hein. Hommes de France, offrez la bague de Jeanne à vos femmes, à vos épouses, hein, et à vos filles. Hein. Et même, je lui dis, je serai le premier, le jour où il y aura des copies, à porter une bague de Jeanne d'Arc. Parce que je vais vous faire une confidence. Hein. J'aime bien les Anglais, chez eux. Bon, comme Jeanne. Alors, suite à cet entretien, où ça s'est très bien passé, c'était très courtois, etc., nous avons eu plusieurs échanges, plusieurs bagarres. J'ai l'intention d'écrire un livre pour raconter tout cela. Et après, j'ai fait une énorme réflexion. Je me suis dit, mais pourquoi j'étais emballé dans cette affaire? Pourquoi j'ai été mêlé à cette affaire? Bon, une autre personne aurait pu... Très vite, l'accueil a été beaucoup plus mitigé par rapport à vos propositions. Oui, parce que donc ils ne sont pas encore mûrs pour cela. Bon, parce que moi, ça fait 25 ans à peu près que je combats et je travaille sur Jeanne, et je suis intimement mais passionné, mêlé à la vie de Jeanne, dans des quantités de méditation, dans des quantités de recherche, etc. Avec mon épouse, donc sur l'histoire de la triple donation, on a énormément travaillé. Les gens ne se rendent pas compte de ce que ça représente, hein, mais c'est quelque chose d'essentiel, puisque quand même,
C'est la première fois au monde que Jésus-Christ... Bon, attendez, on va d'abord... On reparlera la triple donation qui était importante. Voilà. On va finir autour de l'anneau, dites-moi. Voilà. Bien. Et alors, je me suis dit après, mais pourquoi le bon Dieu a voulu que je sois dans cette affaire? Et là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'important. C'est que Louis-Bert Rémy est la personne qui a redécouvert le Père Hérol. Le Père Hérol, c'est un monument inconnu. C'est quelqu'un que vous avez remis en lumière, qui est un jésuite et qui a travaillé sur Jeanne d'Arc et aujourd'hui qui est complètement oublié. Voilà. On peut dire ça comme ça. Quand j'ai redécouvert le Père Hérol, personne ne connaissait le Père Hérol. Bien. Bon. Aujourd'hui, quelques personnes connaissent le nom, le site, ont lu tel ou tel truc. J'ai retrouvé 27 écrits du Père Hérol. Bien. Avec, ça représente des milliers de pages, puisque les 5 premiers tomes font chacun 600 à 700 pages. Bien. Et le Père Hérol, c'est celui qui a écrit la vraie Jeanne d'Arc. Oui, il faut orthographier tout ça. Pour leur bien orthographier, c'est A-Y-R-O-2-L-E-S. C'est pour essayer de retrouver sur Internet, voilà. Oui, c'est ça. Voilà, tout simplement. Donc vous avez vous avez aidé à la redécouverte du Père Hérol, qui est essentiel dans, notamment, ce qui servira plus tard au procès de béatification de Jeanne. Voilà. C'est le Père Hérol qui a fait le procès de béatification de Jeanne. Bon, je suis allé voir sa famille. J'ai pu avoir donc les documents de famille et en particulier... Un seul L. Voilà. Oui. Et en particulier, donc, comment il a été reçu par Saint-Pédis au moment de la béatification. Ce que Saint-Pédis lui a dit, c'est... Bon, tout ça, ça a été édité. J'ai fait rééditer tout cela. On va reprendre un peu tout cela parce qu'on va profiter donc du retour de Jeanne pour relancer, quoi. Bon, j'ai une énorme bibliothèque sur Jeanne d'Arc, bien sûr, depuis 25 ans que j'ai accumulé. Hein, et donc, tout le monde connaît un certain nombre de noms, mais personne. Alors... Il faut revenir quoi aux sources quoi de cet homme quoi de ce travail parce que lui seul, j'ose le dire, lui seul a complètement compris Jeanne d'Arc. Et j'ai passé 15 jours sur le procès de canonisation de Sainte Jeanne d'Arc donc aux archives secrètes du Vatican. Bien. Et donc sur l'original du procès de canonisation. Et là donc le Père Hérol intervient régulièrement puisque c'est lui qui dirige donc tous les échanges, tous les travaux, etc. Et il écrit à un moment quelque chose de très étonnant. Il dit, c'est très bizarre, mais le message de Jeanne va être transformé, va être déplacé, et ce n'est pas, et on ne va jamais enseigner exactement le vrai message de Jeanne. La preuve en est, c'est qu'il a écrit une toute petite brochure, que j'ai découvert après d'ailleurs, hein, le point culminant de la mission de Sainte Jeanne d'Arc, Jésus-Christ, roi de France. Et moi déjà, j'avais compris combien donc l'histoire de la triple nation autour du Christ, roi de France, était quelque chose d'essentiel. Hein. Bien. Eh bien, depuis le retour de cet anneau de Jeanne, j'ai écouté pratiquement tous les discours qui ont été faits sur Jeanne. Que ça soit à Paris, que ça soit le 8 mai, le 1er mai, etc. Est-ce que vous avez écouté le discours de Monsieur Emmanuel Macron à Orléans? Non. Passionnant. J'ai pas encore pris le temps. Mais je vais l'écouter. Parce que celui-là manque à votre bibliothèque, sûrement. Oui, et vraiment c'est un discours qui est assez étonnant, mais assez éloigné du très révérend Père Hérol. Voilà. Bien sûr. Et alors, il y a une chose qui me marque terriblement, c'est qu'on oublie exactement ce qu'est Jeanne. On sait reconnaître ses vertus, on sait reconnaître sa sainteté, on sait reconnaître sa virginité, on sait reconnaître son courage gigantesque. Bon, et d'ailleurs le livre que M. Trémollet de Villers a consacré au procès de Jeanne d'Arc est un livre passionnant. J'avais lu déjà dans le passé le procès de Jeanne d'Arc, mais vu par l'avocat, ça m'a ouvert des horizons absolument remarquables sur cette qualité de Jeanne qui dirige le procès comme il l'explique, hein, qui est donc devant plus de 50 hein, personnes qui vont signer bon à brûler quand même. Hein. C'est quand même, c'est pas n'importe quoi. Eh bien Jeanne reste d'une énergie absolument colossale, mais là n'est pas l'essentiel. Là n'est pas l'essentiel, et avec ça, on ne comprend pas Jeanne. Jeanne, c'est une jeune fille, choisie par Dieu, c'est exact, à 13 ans. Mais pendant 3 ans et demi, 4 ans, elle est formée par des voix. Ce ne sont pas des voix qui lui parlent, elle est formée. Elle est formée pour une fille vigoureuse, une fille d'une énergie, une fille qui va devenir généralissime en chef des armées françaises. Elle a été formée par généralissime en chef des armées célestes. Hein. Bon. Et qui, donc, va être le conseil du roi. Et le roi va se soumettre à cela. Elle n'est pas ni lieutenant ni capitaine, elle vient tout de suite généralissime en chef. Mais, ce qu'on oublie de dire, c'est que Jeanne est venue par l'ordre de Dieu. « Je suis l'envoyé de Dieu, dit-elle, et Jeanne fait ce que Dieu veut. »
à ce point, Louis Bert, pour revenir un petit peu sur l'anneau, mais ça fait une transition, on n'est pas dans un point de rupture. Est-ce que vous pouvez raconter cette haute probabilité de la remise de l'anneau de Sainte-Jeanne d'Arc à Sainte-Jeanne d'Arc et à ses parents? Est-ce que c'est vers l'âge de 13 ans ou est-ce que c'est un peu plus petit? Il y a quelques conjectures intéressantes que vous pourriez peut-être rapporter. Alors là, c'est une piste que j'ai découverte. Alors c'est une piste, hein, bien sûr. Oui, qu'il faut travailler. Ouais. Hein, dans ce genre de choses, on est attiré par telle et telle chose. Et j'ai découvert une revue, enfin un petit ouvrage, une brochure, écrit par Saint-Hilaire de Barenton. Le père de Barenton, donc un franciscain, qui a écrit ça dans les années 20. Et qui raconte 1920, oui. Et qui raconte quelques détails très intéressants sur l'histoire de l'anneau de Jeanne. En particulier, que c'est Sainte Colette qui aurait donné Sainte Colette, donc que les Français ne connaissent pas, que ne connaissent plus. Oui, elle n'est pas au calendrier universel quoi de l'Église, elle est simplement donc au propre de France, France et du Canada, et mériterait d'être connue parce que c'est un monument. Hein, Sainte Colette. Et Sainte Colette aurait donné cette bague aux parents de Jeanne quand elle était bébé. Et les parents de Jeanne auraient donné à Jeanne, à l'âge de 13 ans, cette bague, hein, et donc que Jeanne aurait portée. Et d'ailleurs, quand on a fait expertiser la bague de Jeanne en arrivant en France, c'était bien la bague d'une jeune fille d'âge de 18 ans. Elle a été rallongée au 19e siècle par un peu de ferraille, hein, qui est très très visible par rapport au reste de la bague, pour une personne qui l'a portée au 19e, dont le prénom était commencé par la lettre M et dont le mari était graveur. Et donc c'est pour ça qu'on a vu qu'une fleur de lys manquait, remplacée par un M. Bon, tout cela, c'est des choses. On a encore à travailler sur la bague de Jeanne et des choses à découvrir. Mais, donc, c'est Sainte Colette qui a donc fait que les parents de Jeanne étaient du tiers-ordre franciscain. C'est donc le grand réveil du tiers-ordre franciscain autour de Sainte-Colette, quoi. Une épopée formidable. C'est pour ça, il faut lire Hilaire de Barenton. On va rééditer cela, hein. J'ai un jeune ami, hein, qui m'a contacté pour relancer cette petite aventure d'association pour éditer tout ce qui est possible autour de Jeanne, hein, qui va s'appeler Jeanne revient, France réveille-toi. Et qui donc a dans ses projets, c'est tout neuf, hein. Suivez ça sur Internet, ça viendra, hein. Donc va sortir cette brochure de Hilaire de Barenton, quoi. Bien. Et là, ici, la mère de Jeanne, donc, est du tiers ordre, et elle va aller, d'ailleurs avec le frère Pascrel, au puits, pour le jubilé du puits, le grand, grand jubilé du puits, hein, etc. Bien. Et Jeanne va devenir à 13 ans, elle-même tertiaire franciscaine, et le père Hilaire de Barenton explique ça très très bien, hein. Ça va contre la thèse du chartisme, Siméon Luce, qui est très attaqué par le père Hérol. Hein. Les gens qui parlent de Siméon Luce sans avoir lu père Hérol, hein, ne savent pas exactement comment juger ce genre d'histoire. Nos milieux le considèrent pour quelque chose d'important parce qu'il est chartiste, hein, mais il n'empêche qu'il a écrit des bêtises qu'explique très très bien le père Hérol dans la vraie Jeanne d'Arc. Bien. Qu'est-ce qu'il a écrit comme bêtise? Oh, de mémoire comme ça, je pourrais pas vous le dire. Hein. Bon, mais tout ça, c'est très très expliqué. Et en particulier, je crois qu'il fait partie, Simon Luce, de cette école de oui, presque de quasi-scientistes qui ont tendance à ramener l'épopée de Sainte-Jeanne d'Arc à quelque chose d'extrêmement naturel. Ouais, voilà, et il en évacue bien, ouais, des aspects surnaturels. Absolument. Bien. Et oui. Et alors donc, on a encore à travailler donc sur cette bague de Jeanne, quoi, qui viendrait donc de Sainte Colette. Alors, dans un livre, j'ai découvert une référence donc sur un dictionnaire dessin du 17e. J'ai demandé à la BN copie de cela. Un mois et demi après, j'ai toujours rien reçu. Je vais essayer d'y aller très rapidement, quoi, pour voir un peu, quoi, où il y aurait référence de cette histoire de Sainte-Colette, etc. Bon, c'est une piste, un travail à faire pour le moment. On ne peut pas dire que ça en est complètement sûr, hein, mais c'est pour dire qu'on a quand même encore des choses à découvrir. Moi, j'aimerais vous poser une question de Béotien, en, oui, quelque sorte. Donc, cette bague, après la captivité et après que Jeanne ait été brûlée, donc est partie en Angleterre, j'imagine, oui, elle y est restée quasiment 600 ans. Qu'est-ce qui a pu motiver
ce qui peut être considéré comme un trésor de guerre. On connaît les antagonismes qui peuvent nous lier avec les Anglais. Qu'est-ce qui a pu motiver cette vente aux enchères au risque que justement cette bague puisse... Parce qu'après, on a eu l'impression que les Anglais ont essayé de se rattraper aux branches, qu'il y avait... On est dans quelque chose d'assez incroyable quand même quand on y réfléchit. Oui, oui, c'est un des miracles. C'est un des miracles de la revenue de cet anneau. Cet anneau, il y a eu des quantités de petits miracles et grands miracles. Et en fait, en Angleterre, aucun journal n'en a parlé. Et quand ça s'est su, mais toute l'Angleterre a réagi. Oui, parce qu'on avait vraiment l'impression d'être dans un premier temps dans une opération de marketing pur. Voilà. Et tout d'un coup, la chose s'emballe et on veut plus vendre, on veut récupérer. C'est une trahison, ça fait partie... les Anglais ne lâchent pas. C'est assez incroyable quand même qu'on ait pu... Et oui, et ça fait donc partie du miracle de ce retour de Jeanne, parce que cette histoire du retour de Jeanne, ça a été prophétisé par Pie XII. Et si vous voulez, on va parler maintenant de ce passage, qui est très très important, parce que ça va nous permettre de comprendre quel message Jeanne nous donne en revenant en France. Jeanne ne revient pas par hasard, ne revient pas pour rien. Hein. Si Dieu a permis qu'elle revienne, mais j'ai noté personnellement 25 miracles dans cette petite opération. Petits et grands miracles, etc. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas naturelles, qui n'auraient pas dû se passer, etc. Alors le chrétien comprend. En effet, la personne qui n'a pas le sens des choses surnaturelles ne comprend pas. Mais, bon, c'est peut-être un petit peu pour ça que j'ai été mêlé à cette affaire, parce que, bon, j'ai appris qu'on m'a trouvé un peu trop surnaturel. Moi, je ne les trouve pas assez surnaturels, surtout que Jeanne est complètement surnaturelle. Alors, nous avons tous à travailler, à marcher autour de ça. Oui, pardon, non, je vous en prie, cher Wilsdorf, mais je voulais dire qu'à ce sujet, je rappelle toujours, je l'ai déjà fait auprès des auditeurs de Méridien Zéro et en d'autres lieux, l'excellente brochure qui est la collation d'une série d'articles de Don Prosper Guéranger qui s'appelle « Le sens chrétien de l'histoire ». Pourquoi je reparle toujours du sens chrétien de l'histoire ? Précisément parce que seuls peuvent comprendre... Comment dire, la véritable doctrine politique catholique, ceux qui savent lire la vraie histoire, c'est-à-dire le naturel et le surnaturel. Et cet équilibre est excellemment représenté dans cette série d'articles de Don Prosper Guéranger, dont je rappelle qu'il est le restaurateur des bénédictins après la Révolution en France. Voilà, je tenais à le rappeler. Et avant de parler de Pie XII et de son message dont vous allez nous entretenir, essentiel, bien sûr. Est-ce que vous pourriez nous dire des mots justement par rapport aux voix et par rapport à ces trois personnages clés qui vont former Jeanne d'Arc, vous l'avez dit, au combat, mais également dans toute sa spiritualité, tout ce qui va en découler autour de Saint-Michel. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots? Alors, le choix des... Quand on réfléchit sur le choix des trois saints qui ont été choisis par Dieu, c'est Dieu qui donne mission à trois saints d'aller former Jeanne. C'est pas Jeanne qui choisit trois saints. C'est pas les saints qui viennent d'eux-mêmes. C'est que Dieu choisit. Pourquoi ? Saint-Michel, on comprend. C'était pour amener Jeanne à comprendre, Donc le combat, à être une guerrière qui est d'une énergie folle, qui est d'un courage contre tous et qui va les commander. Tous ces poilus et velus qui sont dans la guerre de 100 ans, qui sont pas des guignols, etc. Et qui dans la première bataille lui désobéissent, mais pas d'une deuxième fois, etc. Ensuite, Sainte Marguerite d'Écosse. Pourquoi Sainte Marguerite d'Écosse? Tout le monde dit Sainte Marguerite d'Antioche. Il s'avère que quand j'ai repris tout le procès de Jeanne d'Arc, et j'en ai parlé avec M. Trémette Villers, qui a donc convenu après qu'il fallait rectifier, on pose à un moment la question, et Sainte Marguerite parlait-elle en anglais? Il est évident qu'on lui pose cette question parce qu'on savait qu'au procès de Poitiers, il avait été parlé de ses saintes et que c'était Sainte Marguerite d'Écosse. Pourquoi Sainte Marguerite d'Écosse? Parce que Sainte Marguerite d'Écosse a combattu les Anglais toute sa vie. Parce que Sainte Marguerite a vécu dans une cour royale. Et une jeune fille de 17 ans qui arrive dans une cour royale ne comprend rien entre les ambitieux, entre les menteurs, entre tous ceux qui font leur cour, etc. Elle qui est d'une franchise complète, qui est une femme de caractère, etc. Alors que tous, eux, sont là pour prendre des places. Bien, qui ont tous, bien sûr, abandonné Charles VII. Qui n'était plus rien. Parce que tout le monde était convaincu que ce n'était pas le fils de Charles VI. Et quand elle arrivera à Charles VII et lui dira « Tu es bien le fils de ton père » parce qu'elle seule pouvait le savoir de par Dieu, puisque donc Charles VII, le 2 novembre précédent, ça s'est passé le 7 mars à Chinon, mais le 2 novembre précédent avait fait donc une prière en demandant à Dieu s'il n'était pas le fils de son père, qu'il allait racheter les péchés de la France. Et Jeanne arrive à une conversation intime avec, on le sait par les confidences qui ont été faites par Charles après,
Bien, il dit, t'es bien le fils de son père, en nom Dieu, tel jour tu as prié, et voilà. Et Charles savait qu'elle était de Dieu à ce moment-là. Et Jeanne lui dit tout de suite ce qu'il faut faire. Parce que je rappelle, j'ai dit tout à l'heure que Jeanne applique le plan de Dieu. Et le plan de Dieu doit être regardé à la loupe, et personne ne l'enseigne. C'est là où je crois, et un petit peu le travail que je dois faire dans cette affaire, quoi. Il lui dit, tu vas te faire sacrer à Reims. Pourquoi le sacre? Parce que le sacre, c'est pas une cérémonie, c'est un sacramental. C'est quelque chose d'essentiel qui va permettre à ce roi d'avoir les règles de discernement du bien, du mal, du vrai, du faux et des hommes. C'est-à-dire les mêmes grâces qui sont données au sacre des évêques. Bien, quand, dans la mesure où il est fidèle à son sacre, hein, etc. Et Dieu après donne l'accord du sacre par le miracle des écrouelles. Le miracle des écrouelles, Charles VII, dès le lendemain, va guérir des écrouelles. Et il y aura des miraculés des écrouelles. Quand Henri VI, roi d'Angleterre, parce que Henri V donc, était simultanément roi de France et d'Angleterre par le traité de Troyes, meurt très jeune, hein, entre le sacre de Reims et le sacre de Notre-Dame de Paris de Henri VI, hein, Henri V était un homme extraordinaire, qui aurait été certainement un très grand roi. Hein, tout ce qu'on en sait était un homme de très grande qualité. Dieu n'a pas voulu. Bien. Henri VI, lui, va se faire sacrer à Notre-Dame de Paris, mais n'essaiera même pas de guérir des écrouelles. Sacré comme roi de France et d'Angleterre. Il faut savoir quand même que les rois d'Angleterre se disaient rois de France et d'Angleterre jusqu'en 1804. Hein, c'est pour dire donc combien le traité de Troyes avait marqué tous ces gens-là. Quoi. Alors donc, Sainte Marguerite vient expliquer à Jeanne, hein, pour comment faire, etc. Et comment avoir de l'influence sur Charles VII. Parce qu'elle a de l'influence sur Charles VII. Ils sont à peu près du même âge. Hein, il est un tout petit peu plus âgé, hein. Il est tout jeune, il démarre de rien. Il n'a personne avec lui. Au lendemain du sacre, tout le monde arrive. Au lendemain du sacre, toutes les femmes de France envoient leurs bijoux pour faire le trésor royal. Mais tous les hommes viennent pour prendre toutes les places. Ils vont même plus loin que ça, ils vont éliminer Jeanne, hein, pour avoir une certaine tranquillité. Et puis alors après Sainte Marguerite, Sainte Catherine. Sainte Catherine qui va être le conseiller de Jeanne pendant tout son procès. Ce procès si extraordinaire, quoi, hein, que là, notre ami Trémolet de Villers a ressuscité d'une façon merveilleuse, quoi, et je vous conseille très très fort de lire son livre. Et quelle Sainte Catherine? Sainte Catherine d'Antioche, bien sûr, quoi. Donc la martyre qui a converti, hein, dans son combat, qui a converti tous les gens, tous les prêtres qui étaient là, etc. Hein, comme Jeanne, quoi. Quand on lit le procès, les gens sont convertis par Jeanne. Sainte Catherine d'Alexandrie, oui, pardon. Excusez-moi. Oui. Voilà donc le pourquoi, etc. Alors, Jeanne arrive donc pour faire le plan de Dieu. Et ce plan de Dieu, c'est d'amener l'ordre et la paix. Remettre une société en ordre pour faire la paix. Parce que le problème, il n'y a que Dieu qui peut apporter la paix. Cette histoire de paix est essentielle. Au moment donc du soir de Pâques, la première chose que dit notre Seigneur, ressuscité devant tous ses disciples, qui devaient être mais complètement subjugués en voyant Dieu avec eux, qui mangeaient avec eux, qui voyaient la première minute le Christ ressuscité, eux qui avaient tous trahi, eux qui avaient tous perdu la foi, etc. Quoi. Dieu dit « La paix soit avec vous ». Mais cette histoire de paix, elle est dite aussi la veille du baptême de Clovis. La veille du baptême de Clovis, chose peu connue, Dieu apparaît dans la dernière donc instruction faite par Saint Remi. À ce moment-là, il y a des effluves extraordinaires, des musiques extraordinaires qui apparaissent à toute l'assistance. Il y a Clovis, Clotilde, tous ceux qui vont se faire baptiser. Et à ce moment-là, on entend une voix qui vient du ciel qui dit « La paix soit avec vous ». Rester dans ma direction. Et la paix du Christ, donc, là, c'est appliqué pour le pouvoir temporel, comme c'est appliqué pour l'Église au moment de la résurrection. Et c'est une chose essentielle. Et Jeanne amène la paix. Mais elle amène la paix dans l'ordre. Et l'ordre, donc, c'est là où on parlera tout à l'heure en sauvant la patrie. Oui, la paix n'étant pas la seule absence de guerre. Voilà, voilà, etc. La paix dans la société, dans les choses en ordre, hein, dans les hiérarchies, dans les métiers, dans la vie de tous les jours, etc., etc. Alors, moi, pourquoi la France? Pourquoi la France? Parce qu'on citera la France comme fille aînée d'église, mais c'est une expression beaucoup plus récente pour nous, puisque ça date du 19e siècle, je crois. Tout à fait. Pourquoi Jeanne? Pourquoi la France? Pourquoi cette dualité entre français et anglais?
Au travers de ce message-là, quelle spécificité par rapport à la France ? Eh bien, c'est Dieu qui a choisi. Il aurait pu choisir les Suisses, il aurait pu choisir les Belges, il a choisi la France. Et donc il a choisi la France, pourquoi ? Parce que, comme toujours, c'est le pouvoir spirituel qui appelle le pouvoir temporel. C'est donc Samuel qui appelle Saul et David. C'est Romy, donc, qui en 25 ans, passe 25 ans dans la grotte qui était sous la basilique de Reims et qui prie, puisque donc il a eu le plus long pontificat d'évêque de l'histoire de l'Église, Saint Romy. Il a été évêque à 20 et quelques années, il est mort à 90 ans, presque 70 ans évêque. Et Saint Romy a prié 25 ans pour faire la civilisation chrétienne. Et alors, la première chose qu'il a faite en faisant la civilisation chrétienne, hein, il a décidé de choisir un roi. Il faut un gouvernant pour faire fonctionner une société. Et Clovis, et donc Saint Remy, voit un petit peu tous les chefs de bande qu'il pouvait y avoir et avait remarqué particulièrement donc Mérovée, qui avait été un homme extraordinaire, le grand-père de Clovis. Hein, et il s'est dit, avec ses Francs, qui avait déjà un nom prédestiné, on va pouvoir faire quelque chose. Remy est un Gaulois, c'est un de mes cousins, parce que je suis de tribune des Remy belges, hein, et donc tous mes ancêtres, hein, j'ai toutes mes généalogies jusqu'au 15e, hein, donc de Remy, qui était donc sur les Ardennes belges, comme tous les Remy étaient Ardennes belges ou Ardennes françaises. Quoi. Bien. Et donc, Saint Remy donc, choisit Clovis. Et le jour du sacre, du baptême et du sacre, avec la Sainte Ampoule, Saint Thomas d'Aquin l'explique, en parle. Ce n'est pas du rêve, tout ça, ce sont des réalités précises. Il y a un pacte entre Dieu et le fils aîné de l'Église. La fille aînée de l'Église, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est 1840-1850. Mais la France n'existe, c'est une patrie, n'existe pas sans un père. Et depuis que la France n'a plus un père qui était le roi, hein, elle vit comme elle peut. Hein, et on voit n'importe qui se dire être la France. Il est évident que ce n'est pas la France que Dieu a voulu. Bon. Et les dons de Dieu sont sans repentance. Quand Dieu a donné, hein, il a donné, donc il a fait un pacte aussi avec les Juifs à une certaine époque. Ils ont manqué à leurs engagements, mais l'Église dit très bien que les derniers temps, le pacte sera renouvelé avec les Juifs. Et nous reverrons des saints Paul et des saints Pierre, etc., qui, quand ils vont se convertir, vont être des titans de sainteté. Hein. Bon, pour le moment, on n'en est pas là. Hein. Alors, venons à Pilous. Est-ce qu'un esprit malicieux ne pourrait pas dire que dans la mesure où la dernière race royale, les Bourbons, ont trahi une fois, deux fois, trois fois et retrahi, est-ce qu'un esprit malicieux ne pourrait pas en déduire que ce pacte, d'une certaine manière, est rompu ? Voilà. Eh bien, non. Parce que trois fois dans l'histoire de la France, les rois ont été pécamineux et ont été prévaricateurs. Voilà. Prévaricateurs, le bon Dieu en parle dans la dernière parabole avant de mourir. Définissez la prévarication. Ouais. C'est tout simple. La prévarication est tout simple, c'est-à-dire, on veut bien profiter des honneurs liés à une fonction sans assumer les responsabilités. Bien. Et donc, un certain nombre de rois, donc trois fois, ont fait cela et le jugement de Dieu, tout de suite, s'est appliqué. Les trois fils ont régné sans descendance et s'est passé une branche à côté. Ça ne s'est pas rompu. Bien. Et donc ici, les Bourbons, en particulier Louis XV, hein, il faut lire en particulier ce qu'a écrit l'abbé Lehmann le père Liebermann dans le cardinal Pitra. Dans la vie du père Liebermann, le père Liebermann a écrit quelque chose sur Louis XV qui est une page absolument unique et très surnaturelle et qui explique le problème de la Révolution. Bon, c'est une des pages que j'ai beaucoup aimée. J'aime beaucoup ce livre, hein, de cardinal Pitra sur le vénérable Liebermann. Bien. Et donc ici, au niveau des Bourbons, non seulement c'est pas rompu, mais Louis XVI, par son martyr, a permis que la France ne soit pas définitivement châtiée. Parce que la France aurait dû être châtiée par la Révolution, et la Révolution l'emportait. Et donc, on va voir que, par le martyr de Louis XVI et de Marie-Antoinette, hein, le pacte n'est pas rompu, et le pacte reviendra. Et les promesses faites autour du règne du Sacré-Cœur sont tellement répétées, y compris au XIXe siècle, Madame Royer et tout ça, etc., que c'est un renouvellement continuel qui fait que là, Dieu est engagé par cette répétition des prophéties. Oui, mais le même esprit malicieux pourrait être pertinace, pour le coup, et il vous dirait la chose suivante.
lorsque les Capétiens directs prévariquent, ils sont châtiés, et d'ailleurs, ce sont les trois fils de Philippe le Bel. Oui. On passe aux Valois, on passe à une branche cadette. Oui. Lorsque les Valois prévariquent, au moment de la prétendue réforme, le protestantisme qui ravage, Oui. Vous évoquiez tout à l'heure l'importance énorme de Saint-Pie V qui finance les troupes nécessaires à la bataille de Moncontour, qui fait que la France est sauvée, mais là aussi, on passe aux Bourbons. Mais il est clair que déjà, il y a une altération, car l'accession au trône d'Henri de Navarre, le premier Bourbon qui règne, est quand même très problématique. Bien. Et là, on voit, du côté des Bourbons, une dégradation dans la gravité de la prévarication. Ce que je veux dire, c'est que je veux bien que Dieu... c'est pas que je veux bien, c'est que je le souhaite du fond du cœur, je sais que ça se fera. Mais est-ce que ça se fera avec les Bourbons? Moi, j'ai un doute. Je me demande s'il va pas changer de branche et nous faire surgir quelqu'un qui a été oublié, une branche qui a été oubliée, mais qui, néanmoins, est parfaitement authentique. Alors, absolument. Je pense que la page des Bourbons est définitivement tournée. Hein. Absolument. Et parce que, d'abord, les héritiers, c'est n'importe quoi. Parlons pas des d'Orléans, ce qui est alors épouvantable. C'est des descendants, donc, des régicides. Mais il y a une chose qu'il est bon de rappeler. Sur le Saint-Suaire, il y a une tâche absolument prodigieuse. Hein. C'est le marquis de la Franquerie qui a fait découvrir tout cela. Où vous avez le profil de Louis XVI, de Marie-Antoinette et de Louis XVII. Le profil de Louis XVI. Bien. Et donc, le marquis de la Franquerie, dont je suis l'héritier, j'en suis très, très heureux, très fier, hein, et j'essaye d'être fidèle, quoi, hein, avait une petite miniature de Louis XVI, et quand on a pu mettre sur une table lumineuse, à la fois la tache de sang sur le Saint-Suaire, qui correspond à Louis XVI, et le portrait, mais au micron près, exactement la même chose. C'est un signal, quoi, un signe quelque chose. Mais je pense tout à fait que la page des Bourbons est complètement... Le grand problème avec les Bourbons, c'est Versailles. Parce que la monarchie chrétienne, l'apothéose, le fin du fin de la monarchie chrétienne, c'est la Sainte-Chapelle. Et donc, ça a été oublié par nos rois. Et là, quand on voit Versailles... C'est à la gloire du roi, c'est plus à la gloire de Dieu. Et ça, Dieu ne peut pas le permettre. Le centre du pouvoir politique en France, c'est la Sainte-Chapelle et le palais. Absolument. Ça n'est pas Versailles. Versailles. Donc, on ne peut pas imaginer une restauration qui se fasse en dehors de la Sainte-Chapelle. Absolument. Tout à fait d'accord. Très bien de le rappeler. Bien. Alors, est-ce qu'on peut-être revenir sur Jeanne. C'est important, effectivement, de resituer un petit peu... Cette logique dynastique, ces logiques dynastiques et leur rôle par rapport à comment dirais-je, au fait que au royaume de France, enfin la royauté est de droit divin, voilà. Mais peut-être revenir aussi sur Jeanne, son rôle avec Charles VII et citer Pie XII dont vous nous parliez, cette déclaration que fait Pie XII justement à propos de Jeanne et de sa mission. Voilà. Alors, donc, c'est pris dans le radio-message, mais vous avez ça dans mon livre, comme bien sûr j'explique aussi dans mon livre, donc, Jésus-Christ, roi de France, hein, la vraie mission de Sainte-Jeanne d'Arc, Jésus-Christ, roi de France. Dans mon livre est expliqué donc l'histoire des trois fois où les rois ont prévariqué, les descendants, et j'explique tout ça, quoi, très longuement. Bon, bien. Et donc, j'ai donné le radio-message de Pie XII, 25 juin 1956. Ratio message du pape Pie XII à la France. Et nous allons lire les trois derniers paragraphes. S'il arrive que souffle au dehors le vent mauvais, si le mensonge, la cupidité, l'incompréhension trament le mal, s'il vous semble même devenir victime à votre tour, regardez vos héros réhabilités, vos cathédrales reconstruites, et vous vous convaincrez une fois de plus que toujours la dernière victoire est celle de la foi, de la sainte foi que rien ne peut abattre, et dont l'Église catholique est l'unique dépositaire. Du sol généreux de ce jardin de l'Europe qu'est la France, germent les héros de la patrie et de la foi, qui par amour pour leur mère, si sa défense l'exige, savent batailler, souffrir et mourir, dans la certitude que les lauriers du triomphe ne sauraient jamais manquer à qui accepte de se sacrifier pour une cause grande et juste. Déjà deux passages remarquables. Et la suite. Et s'il peut sembler à un moment que triomphent l'iniquité, le mensonge et la corruption, il vous suffira de faire silence quelques instants et de lever les yeux au ciel pour imaginer les légions de Jeanne d'Arc qui reviennent
bannière déployée, pour sauver la patrie et sauver la foi. Ce texte est absolument extraordinaire. Et nous sommes, bien sûr, au moment du triomphe de l'iniquité, du mensonge et de la corruption. Et nous sommes au moment où maintenant il faut faire silence. Bien. Et lever les yeux au ciel pour demander au ciel qu'est-ce qu'il faut faire. Le père de Clorivière, nous avons beaucoup travaillé avec mon épouse sur des quantités de choses, et en particulier, nous avons réussi avec un ami à microfilmer, enfin pas exactement, à donc photocopier les 3600 pages qu'il a écrites sur l'interprétation de l'Apocalypse en 1800 et quelques. Ça n'a jamais été édité. Bon, tout est dans notre ordinateur. Ça a été tapé, c'est à corriger, mais il y a des tas de choses très très importantes. Bien. Et en particulier, il explique, donc en 1802, 1804, puisqu'il a écrit sur deux ans, hein, que l'Église serait détruite par l'éclair. Bien. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Une prophétie que je n'ai vue nulle part autre. Mais il dit à un moment que le bon Dieu n'interviendra que lorsque les gens seront à crier au ciel de demander à Dieu la solution de Dieu. Et donc j'ai retenu ce passage extraordinaire parce que c'est pas en essayant de se manifester avec Marine Le Pen et compagnie qu'on solutionnera le problème. On solutionnera le problème quand Dieu le voudra. Et même, comme Dieu le voudra. Même pas Emmanuel Macron. Même pas Emmanuel Macron. Le dernier piège. Bon, pour les sots, quoi. Enfin, vraiment, on prend les gens pour des imbéciles, quoi. Arriver à ce niveau-là, c'est quand même un podium. Hein. Écoutez, justement, ce que vous dites permet de filer un peu plus sérieusement. Pour les sots, oui et non. Parce que... dans l'univers où nous vivons, dans cette espèce de poubelle que nous sommes obligés de supporter, dans laquelle nous sommes obligés de survivre, on voit beaucoup de braves gens qui sont trompés. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, parce qu'ils ne sont plus formés, parce qu'ils vivent dans la peur, parce qu'ils ne retrouvent plus de valeurs communes comme ils pouvaient encore en avoir du temps de leurs parents ou leurs grands-parents. Et donc, la tentation est forte pour les pauvres hommes qui ne croient plus en grand-chose d'espérer une solution humaine. Et ce que vous dites, il ne faut pas être trop sévère, je pense, avec les gens qui imaginent qu'il y a une solution humaine à portée de main. Malheureusement, nous savons que cette solution humaine naturelle n'est pas suffisante et qu'il faut du surnaturel qui vienne sanctionner la solution qui interviendra. Mais on peut comprendre ce genre d'errement. Oui, tout à fait. Et c'est très, très facile à expliquer et très facile à comprendre. C'est qu'on croit... On leur a fait croire que toutes ces gens peuvent solutionner le problème par le vote. Hein. Et nous allons en parler, bien sûr, un peu plus longuement après. Hein. Et donc les gens croient que en se rattachant à une solution par le vote, on peut espérer, rêver, hein, solutionner le problème. Or, ça ne fonctionne absolument pas comme cela. Bien. On va en parler tout à l'heure, donc d'une façon précise, quand on va dire sauver la patrie. Hein. Nous sommes tous convaincus, quoi, que la patrie est dans un état épouvantable, que on est au bord, donc de pire catastrophe. On ne sait plus à qui se rattraper. Bien, et on est prêt à faire n'importe quelle bêtise, alors que justement l'exemple de Jeanne va nous expliquer. Jeanne arrive toute seule, sans parti, sans argent, sans troupes. Elle arrive le 7 mars à Chinon. Et le 17 juillet, dimanche 17 juillet, combien, 4 mois après, tout est sauvé. Faut quand même réfléchir. Et on est en guerre depuis 100 ans. C'est quand même extraordinaire. Et on en est, nous, depuis 200 ans, à essayer de trouver des solutions avec le vote, avec toutes les propositions de vote. Parce qu'on va voir que le vote, c'est une manipulation. C'est un mensonge complet de A jusqu'à Z. Le vote en tant que consultation sur des sujets qui nous dépassent et qui ne sont pas de la prérogative des hommes. Car l'ancien régime et la société en ordre, la société catholique, passent son temps à voter. Mais elle vote sur des choses concrètes. La confrérie des boulangers va voter sur la manière de former les boulangers. Et c'est normal, ils sont compétents pour ça. Il ne s'agit pas, je dis ça pour nos auditeurs, il ne s'agit pas de dire que voter, donner son avis, donner son conseil et le sanctionner par l'expression d'un suffrage est mauvais en soi. Il est mauvais appliqué au choix des gouvernants, à la sanction de lois qui sont complètement éthérées et qui ne sont pas d'ailleurs de la prérogative de gens qui n'ont pas de connaissances techniques sur les sujets sur lesquels ils légifèrent. Vous prenez aujourd'hui un parlementaire qui va légiférer sur
l'immense majorité des lois sur lesquelles ils s'expriment, il est évident qu'ils n'ont aucune espèce de commencement de compétence. Donc, je reviens, petite synthèse, ce n'est pas le vote qui est mauvais. C'est le suffrage universel appliqué à des sujets qui ne sont pas de la prérogative des peuples. Ou en fait, cette idéologie, la démocratie, portée comme idéologie ou comme une fin ultime, une fin absolue, qui permet de croire que chacun est libre de décider alors qu'on en est bien loin. Moins on est compétent, plus on en consulte, plus on demande notre suffrage. L'illusion de la liberté, tout simplement. Absolument. Alors que sur le concret, En revanche, pour l'élaboration de lois et de règlements, vous voyez que vous avez des tas de ministres, de parlementaires totalement incompétents, qui se gardent bien de consulter en réalité ce qu'on appelle les corps intermédiaires, sauf à travers des syndicats qui sont extrêmement politisés et qui ne représentent plus grand chose et dont l'intérêt immédiat est surtout la conservation d'un certain nombre de privilèges plutôt que la défense des métiers qu'ils sont censés représenter. Et du bien commun, qui est une notion qui leur est bien éloignée, en effet. Monsieur Rémy. Oui. Alors, pour bien comprendre tout cela, j'ai écrit une petite brochure qui s'appelle Saint-Louis, modèle du roi très chrétien. Cette brochure est très, très importante parce que je donne le schéma du fonctionnement de la civilisation et d'une société. Dans une société, il y a trois paramètres et seulement trois paramètres pour fonctionner. Vous avez le gouvernant qui est en haut d'une pyramide. Cette pyramide qui est en dessous, c'est l'élite qui va faire fonctionner ce que décide le gouvernant et son équipe. Et après, cette pyramide qu'on appelle la petite pyramide comprend à peu près 1 pour 1000. C'est-à-dire donc en France, 60 millions d'habitants, 60 000 personnes. Ces 60 000 personnes vont faire gouverner toute la France. Et dessous, vous avez les gouvernés. Les gouvernés feront donc 59 940 000 personnes. Et ces gens-là ne gouvernent jamais, ne font jamais rien. Bien. Et alors donc, quand on est dans une société en ordre, il faut savoir que personne ne fait de politique. Pendant 1300 ans, personne ne faisait de politique. On s'occupait donc de la mairie, on s'occupait de son corps de métier, on s'occupait de certaines choses, et la politique était faite par le gouvernant choisi par Dieu, qui avait des grâces spéciales, hein, et qui a pas trop mal. Bon, il y a eu bien sûr des bagarres, des petites, des grandes, encore que la guerre était pas au niveau que nous sommes actuellement, où c'est devenu des carnages, quoi. Hein. Mais la vie normale était d'une certaine, certainement beaucoup plus, comme dit le cardinal Pi dans le livre de Théotime de Saint-Just, quoi. La vie normale était à peu près dans la paix. Ah, oui, et on peut se souvenir du fameux mot de cette crapule de Talleyrand qui disait qu'il n'a pas connu l'ancien régime, n'a pas connu la douceur de vivre. Même lui était obligé de le reconnaître. Cela signifie qu'il n'y avait aucune querelle dans la population, dans les gouvernés, d'ordre politique ou idéologique. La vie était pacifiée au sens catholique du mot, au sens divin du mot. Le surnaturel et le naturel se rencontraient dans l'organisation de la société. On n'était pas à se fâcher en famille sur le besoin de savoir je vote pour qui, etc. Chose d'ailleurs, en ce sens, je suis vraiment mort sous Louis XI politiquement. Ça n'intéresse personne. Voilà. Bien. Oui. Et donc, cette pyramide de commandement exécute et obéit. Elle-même n'a aucun pouvoir. Et si elle n'exécute pas et n'obéit pas, elle est virée. Hein? Bon, vous savez, on considère à peu près que les 60 000 personnes se divisent en deux parties, 30 000 à Paris et 30 000 dans chaque département et province. Bon, c'est-à-dire pour une centaine de départements en gros, 300 personnes par département ont du pouvoir pour diriger, mais pas pour avoir des initiatives. Ils n'ont aucune initiative, hein, etc. Et donc, ce sont des passe-plats. Absolument. Et ils sont très tenus. Bon, elle n'a aucune initiative, elle fait fonctionner la société. Bien. Et alors, quant aux gouvernés, ils ne font jamais de politique. Ils font leur devoir d'État, s'occupant des membres de leur famille, de leur métier, de leurs inférieurs, de leurs supérieurs. Et là, ils votent tout le temps, en permanence. Ils prient pour le roi et sa famille. Combien de naissances miraculeuses pour avoir un dauphin dues aux prières de toute la France. Ils prient pour les succès en temps de guerre. Combien de victoires miraculeuses dues aux prières. La France et la royauté sont une perpétuelle suite de miracles obtenus par la prière de tous. Tout cela ému par la vertu. Tous vivent dans la vérité, donc dans la liberté.
On ne sait plus combien il y avait un respect de la liberté dans la société chrétienne, mais la vraie liberté qui s'appuie sur la vérité, la liberté des enfants de Dieu. Bien. Saint Louis est le meilleur exemple de gouvernant. Bon, il n'a qu'un but, la vérité socialisée, la paix entre tous, la défense de la chrétienté pour le salut des âmes. Il sait qu'il a reçu son trône de par Dieu. Il sait qu'il doit rencontrer à Dieu de ce qu'il décide. Tout jeune, sa sainte mère l'a formé dans ce sens. Le testament de Saint-Louis à son fils Philippe III est un remarquable résumé des fonctions dont le roi doit rendre compte à lui. Il est vraiment le lieutenant tenant lieu. Il savait qu'il était depuis Clovis le choisi de Dieu, car en France, c'est Dieu qui choisit le gouvernant. Et par le miracle des écrouelles, il donne aux Français la preuve de son choix. À chaque génération, il permet aux Français de comprendre par ce miracle que ce roi est bien son roin, celui qu'il nous a donné. Bien. Et alors, il y a un très beau passage du Père Hérol, mais je vous renvoie ma brochure, lisez ça, vous allez avoir de très beaux passages. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé à la Révolution française? La Révolution française a tout renversé. Cette société fondée donc sur un gouvernant connu a fonctionné pendant 1300 ans. Jeune Seigneur et ton œuvre splendide, un cœur de feu, une âme de guerrier, tu le donnas à la Vierge divine, que tu voulais couronner de laurier. Sainte Jeanne de France, notre espérance repose en vous. Sainte Jeanne de France, priez, priez pour nous. Jeanne entendit dans son humble prairie des voix du ciel. Et au bout de 1300 ans, on a fait ce qu'on appelait une révolution, et nous parlerons aussi de la révolution qui a été faite dans l'Église un peu plus tard. Et là, ici, il faut citer le grand passage de Mgr Gaume sur ce qu'est la révolution. Parce que la révolution, vous ne la comprendrez qu'avec ce passage qui sait intégrer le naturel et le surnaturel. Je vous le lis. « Si arrachant le masque à la révolution, vous lui demandez « Qui es-tu ?» Elle vous dira « Je ne suis pas ce que l'on croit. » Beaucoup parlent de moi et bien peu me connaissent. Je ne suis ni le carbonarisme qui conspire dans l'ombre, ni l'émeute qui gronde dans la rue, ni le changement de la monarchie en république,
ni la substitution d'une dynastie à une autre, ni le trouble momentané de l'ordre public. Je ne suis ni les hurlements des Jacobins, ni les fureurs de la montagne, ni le combat des barricades, ni le pillage, ni l'incendie, ni la loi agraire, ni la guillotine, ni les noyades. Je ne suis ni Marat, ni Robespierre, ni Babeuf, ni Mazzini. Ces hommes sont mes fils, ils ne sont pas moi. Ces choses sont mes œuvres, elles ne sont pas moi. Ces hommes et ces choses sont des faits passagers, et moi je suis un état permanent. Je suis la haine de tout ordre religieux et social que l'homme n'a pas établi, et dans lequel il n'est pas roi et Dieu tout ensemble. Je suis la proclamation des droits de l'homme contre les droits de Dieu. Je suis la philosophie de la révolte, la politique de la révolte, la religion de la révolte. Je suis la négation armée. Je suis la fondation de l'état religieux et social sur la volonté de l'homme au lieu de la volonté de Dieu. En un mot, je suis l'anarchie, car je suis Dieu détrôné et l'homme à sa place. Voilà pourquoi je m'appelle révolution, c'est-à-dire renversement, parce que je mets en haut ce qui, selon les lois naturelles, doit être en bas, et en bas ce qui doit être en haut. C'est incroyable l'actualité de ce texte qui date du 19e siècle, c'est ça hein ? 19e siècle, absolument. Et c'est ce qui explique le mieux la Révolution. Et croyez-moi, j'en ai lu des choses sur la Révolution. Bien, bon, et j'ai choisi ça, etc. Mais quand la Révolution va prendre le pouvoir, elle va couper la tête aux gouvernants. Et ils vont mettre un gouvernant. Mais ils vont mettre un nuage autour de ce gouvernant. Ils vont mettre des gouvernants apparents qui sont que des marionnettes qu'ils choisissent, que ça soit Sarkozy, que ça soit François, que ça soit Chirac, ce sont des marionnettes dirigées par des supérieurs inconnus. Et qui s'usent très vite, et que l'on use très vite. Voilà. Et alors, on va monter tout un système en faisant croire une loi qui est fondamentale dans la Révolution. Dans l'Église, nous venons de voir que tout pouvoir vient de Dieu. Avec la Révolution, on va faire croire au pouvoir que tout pouvoir vient du peuple. Et donc, on va dire aux gens, vous allez avoir la liberté d'élire des personnes, hein, et donc ces élus vont vous gouverner. Mais on oublie de dire que ce ne sont pas les votes, ceux qui votent qui choisissent les gouvernants, qui choisissent les gens à qui faire voter. Ils sont préalablement désignés. Et désignés par qui ? Et c'est là où tout le système est très important. Parce que le système va diviser tous les gouvernés en partis, P-A-R-T-I-E-S, et à chaque parti P-A-R-T-I-E-S, ils vont fonder un parti P-A-R-T-I. Et ce parti va être organisé par les supérieurs inconnus, financé par les supérieurs inconnus, qui vont choisir à chaque fois vos futurs élus, et vous aurez le droit simplement de communier au système. Et donc le vote est quelque chose qui est un mensonge complet, qui n'existe pas, qui ne d'aboutit jamais ce que vous voulez, qui vous fait rêver tout le temps, alors que vous n'êtes pas dans le réel. C'est tout un montage quoi, de mensonges hein, qui, factuellement, est impossible à solutionner. Et si vous permettez, pour démystifier le mot, la locution supérieure inconnue, il faut lui donner un peu de chair. C'est tout simplement le banquier qui va financer le parti politique. C'est tout simplement l'industriel qui, en finançant, rappellera à la personne désignée, une fois qu'elle aura été élue en apparence par le peuple, qu'elle ne doit pas aller contre les intérêts de son secteur industriel. Voilà qui sont les supérieurs inconnus. Ils ont un visage, on peut les nommer. Hein, l'ennemi, c'est mon ennemi, c'est la finance, disait François Hollande. N'importe quelle personne aurait dû se dire, mais mon ennemi, c'est la finance, elle a un visage. Il y a des personnages, il y a des banquiers, il y a des fonds d'investissement. Ce sont des gens qui agissent, des gens réels. Et j'en profite pour dire que cette histoire de stigmatisation, de complotisme, etc. Mais non, c'est simplement pour nous éviter de réfléchir et de dire, mais attendez. Un supérieur inconnu, il y en a bien un. Il s'appelle Monsieur Trucmuche et il travaille dans telle banque. Voilà, c'est pour démythifier un peu cette affaire de supérieurs inconnus. On n'est pas avec des gens. Tout ce système qu'on définit un petit peu de manière très évasive par oligarchie ou ce système-là, voilà. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Alors, et après, la pyramide de commandement a quelque chose de très particulier. C'est que pour passer des gouvernés dans la pyramide de commandement, il va y avoir un sas obligatoire qui est la franc-maçonnerie. Et les membres donc de la pyramide de commandement
qui sont donc dans tous les services, etc., passent par ce sas. La franc-maçonnerie ou une société secrète équivalente. Parce qu'on a remarqué dans l'histoire, depuis la Révolution française, cet état permanent, comme le dit fort opportunément et fort justement Mgr Gaume, qu'on peut être franc-maçon et monter aussi. Mais on peut ne pas être franc-maçon et on peut monter dans les hiérarchies. Sauf qu'il faut être passé par un autre type de société secrète qui, au final, comporte des rituels assez similaires et un enseignement qui aboutit à la même chose, la négation des droits de Dieu et des droits de l'Église. Et alors, attendez, c'est que dans l'initiation, dans la maçonnerie, il y a quelque chose de très important qui est l'initiation maçonnique. Et là, vous avez le livre de Niculo. Vous trouvez pas mal des références que j'ai faites sur mon site des Amis du Christ-Roi de France, où il y a une bibliothèque. Et donc, à cette bibliothèque, j'ai dû mettre à peu près 250 livres. J'en ai en fait tapé plus de 600 intégralement, que j'ai pas encore eu la possibilité de mettre parce que c'est un très gros travail. C'est des milliers d'heures de travail pour taper ces 600 livres. Mais donc, j'ai sélectionné dans ma bibliothèque les meilleurs livres qui soient. Et donc, le livre. On parlera aussi de la bibliothèque, l'excellente bibliothèque Saint-Libert. Vous pouvez aller sur internet, vous tapez www.liberius.net. C'est une excellente bibliothèque sur laquelle il y a plusieurs centaines d'ouvrages antilibéraux et qui est faite par quelqu'un de très très dévoué qui travaille quasiment seul. Voilà. Bien. Et alors donc, Niculo a écrit un livre qui s'appelle « L'initiation maçonnique ». Ce livre, Niculo était le directeur de la Revue internationale des sociétés secrètes du temps de Mgr Join, la grande revue qui a combattu contre la contre-église et contre la franc-maçonnerie. Bien. Et Niculo, dans cette initiation maçonnique, explique quelque chose de très important. Ce n'est pas un rituel neutre, c'est un rituel qui marque la conscience. Comme on n'est pas au niveau du baptême qui marque l'âme, mais on est quand même quelque chose qui marque terriblement la personne, qui en fait est tenu par un sacramental luciférien. Et on voit un contre-sacramental, si l'on peut dire, avec une influence et des conséquences anthropologiques sur le corps et sur l'âme. Absolument. Et tous ces gens-là fonctionnent pareillement. Et tous ces gens-là sont tenus avec une discipline de fer. Parce que ces gens-là perdent leur liberté dès qu'ils rentrent dans ce genre de société. Les enfants de Dieu, les catholiques, sont très libres, etc. Et ces gens-là, on ne se rend pas compte combien ils sont tenus par l'ambition, par les... C'est une discipline de fer. Et ce sont ces gens-là qui vont donc faire fonctionner la pyramide de commandement qui, là, est conçue pour la damnation du plus grand nombre. Quand on était dans la société chrétienne, c'était pour le salut du plus grand nombre. Et au jour d'aujourd'hui, cette société, qui est une société de mensonges, tous ces gens-là mentent sans arrêt. Tous nos hommes politiques mentent sans arrêt. Alors, il faut quand même savoir. Ouvrez les yeux, quand même. Bien. Etc. Et donc, c'est terriblement luciférien, tout cela, etc. Alors, et les gouvernés, donc, vont être là sans aucun pouvoir. Il ne faut pas croire qu'ils s'en sortiront. Ils ne s'en sortiront jamais. Il n'y a aucune solution. Et il y a un livre absolument fondamental pour comprendre ça, qui est fait par un docteur en théologie, et pas n'importe qui, le père Maignan, qui s'appelle « La souveraineté du peuple est une hérésie ». Dans ce livre-là, il explique donc le problème de l'autorité et comment le bon Dieu a mis les choses en marche au niveau de l'autorité, comment les choses fonctionnent. Et il finit par une conclusion pratique. Bien, la République actuelle avec ses hommes et ses lois est le châtiment de la France. La France, nation préférée, fille aînée d'Église, comblée des dons naturels et surnaturels de Dieu, la France a péché. Et maintenant, la France est punie. Et il faut que les gens sachent résister autrement que par des paroles. Non seulement en protestant contre les lois impies, mais en les violant. Il faut qu'ils revendiquent les libertés de l'Église. Mais pas en se plaçant sur le terrain condamné du droit commun, mais au nom des droits supérieurs de la vérité et de la justice. Il faut qu'ils appellent le parlementarisme un mensonge, la liberté des cultes un délire, le libéralisme une peste et la souveraineté du peuple une hérésie. Le jour où le peuple catholique de France, serré autour de ses chefs, saura penser, parler et agir de la sorte, la révolution sera finie et la patrie sauvée.
alors il sera facile de s'entendre sur le choix d'un chef et d'une forme de gouvernement. Encore que là, même ici, hein, notre ami l'abbé Maignan n'a pas bien compris le système réservé à la France par le pacte de Reims. Bon, mais c'était ainsi une époque où on ne connaissait plus ça. Il a fallu le redécouvrir, tout cela. Bien. Ceux qui nous auront conduit à la victoire par un tel chemin sauront faire leur devoir jusqu'au bout. Mais il dit il y a un obstacle. Et là, il faut absolument bien connaître cet obstacle. Parce que nos gens croient donc que par le vote, ils vont solutionner le problème. Mais le fait même d'y penser, c'est une pollution de l'intelligence qui fait qu'on se coupe de la véritable réalité qui va nous ramener à Jeanne d'Arc. Plusieurs parmi nos lecteurs trouveront assurément les lignes précédentes trop mystiques et ne verront rien de moins pratique qu'une telle conclusion pour un tel travail. Vous qui pensez ainsi, vous êtes l'obstacle au salut. L'obstacle au salut, ce sont les catholiques qui songent uniquement aux moyens humains, en un péril où Dieu seul peut nous sauver. Or, les moyens humains ne sont pas seulement impuissants à nous sauver, ils hâteront notre ruine. Quels moyens avons-nous humainement de sauver la religion et la France ? Ceux que nous donne la Constitution. Et quels moyens la Constitution nous donne-t-elle ? Le suffrage universel seulement. C'est-à-dire précisément ce qu'on vient d'étudier, ce qui perpétue et enracine au cœur de la France le péché mortel de la Révolution. Et donc vous allez demander au péché mortel de la Révolution de solutionner le problème. C'est-à-dire la grâce du peuple souverain, grâce promise au prix de quelles humiliations et de quelles bassesses, grâce toujours révocable et sans cesse rachetée. Comment jetterez-vous l'anathème sur le dogme de la souveraineté populaire si vous attendez d'elle le salut ? Comment proclamez-vous les droits imprescriptibles des divins de l'Église si le programme du parti que vous fondez pour la défendre est un programme électoral destiné à rallier la majorité des hommes de ce temps ? Ô infernal ruse de l'esprit du mensonge qui nous accule dans ce défilé ! Passez aux catholiques sur les fourches codines des votes populaires, il n'y a pas d'autre issue. Alors les défaillances se préparent, on s'étudie à gagner l'opinion, on réduit le bagage important des principes au strict minimum. Au strict nécessaire, on est libéral, ami du progrès, admirateur passionné de la civilisation moderne. Qu'est-ce que le peuple, dit Saint-Jean Chrysostome ? Quelque chose rempli de tumulte et de trouble. Est-il plus misérable que celui qui le sert ? Que les gens du monde y prétendent, cela est tolérable, bien qu'en vérité intolérable, mais que ceux qui disent avoir quitté le monde souffrent d'un tel mal, cela est plus intolérable encore. Et parmi ceux qui ont quitté le monde, il en est qui souffrent de ce mal du monde et que le monde n'a pas quitté. Il en est qui prétendent tout concilier, tout unir. La vérité avec le mensonge, la lumière avec les ténèbres, la souveraineté du peuple avec les droits de Dieu. On célèbre déjà le triomphe de leur doctrine. Tout en restant ennemis de l'Église, ceux qui persécutent se font leurs amis. Les âmes périssent et la paix règne entre les loups et les pasteurs. Il ne faut pas réveiller les colères du peuple. Le maître va parler. Lors des élections approchent, silence. C'est ce que l'on vit tout le temps depuis 200 ans. Et en nous faisant bien un, bien petit, nous obtiendrons peut-être l'indulgence dont nous avons besoin pour nous faire pardonner le crime d'exister encore. C'est le programme donc du Front National aujourd'hui. C'est le programme de Civitas. Civitas qui depuis 3 ans, 4 ans, a fait plusieurs combats, que ça soit donc à Avignon, que ça soit sur le théâtre, et le problème du théâtre à Paris, que ça soit sur le genre, enfin le combat, etc., que ça soit à la rouge, n'a jamais obtenu une seule victoire. Et non, mais et non seulement, l'important c'est de combattre. Voilà, oui, oui, voilà. Et ils peuvent combattre encore 1000 fois, 10 000 fois, jamais ils n'auront de victoire. Et on pollue les intelligences parce qu'on croit qu'on peut arriver à une solution. Mais c'est que vous n'avez rien compris. La seule solution nous est donnée par Jeanne. C'est le message qu'elle enseigne. Jeanne arrive parce qu'elle est choisie de Dieu. Elle a donc Dieu avec elle. Elle n'a ni parti, ni argent, ni troupes, rien. Et la France est quasiment, a quasiment disparu. Elle est quasiment morte. Tout est perdu. Quand est-ce qu'on va comprendre que Dieu est tout-puissant ? Quand est-ce qu'on va arrêter de se moquer de Dieu et de faire n'importe quoi en priant Dieu de faire notre volonté ? Et à ce point, on peut même introduire l'extraordinaire vision de Mgr Henri de Lassus, un prélat extraordinaire à la charnière de la fin du 19e et du début du 20e siècle, dans ce livre époustouflant qu'il a écrit en 1910, je crois de mémoire, mais oui, j'ai des experts autour de moi, alors, qui s'appelle « La mission posthume de la bienheureuse Jeanne d'Arc et le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ ». Pourquoi ? Parce que c'est une des missions profonde et une des anticipations
de la seconde, de la prolongation de la mission de Sainte-Jeanne d'Arc, que de nous apprendre ça. Lorsque tout est perdu, nous devrons absolument nous en remettre à Dieu et non pas aux fausses solutions dont nous avons usé et surabusé en vain et en pure perte. Donc, l'enseignement du message de Jeanne, c'est justement c'est de se dire qu'il faut s'en remettre à Dieu de manière totale et absolue. Voilà. Et qu'aujourd'hui, toute forme d'engagement, je parle là pour la jeunesse qui nous écoute, puisque nous avons un auditoire relativement jeune, de dire que cet engagement-là, en tant que militantisme classique, usé et réusé, n'a plus véritablement d'intérêt. Certains types d'engagements, ces engagements généralistes, sont voués à une vanité totale et une inefficacité totale. En revanche, il y a mille moyens de s'engager, et surtout notre jeunesse qui est bouillonnante, et Dieu sait que je connais, j'ai énormément de cas exceptionnels d'engagement, mais des engagements qui sont à notre échelle d'hommes. Déjà, notre engagement catholique, notre engagement dans notre devoir d'État, avec astuce, avec indépendance, ne pas se laisser emporter par le monde, mais savoir naviguer avec, en maintenant le cap. Le bon Dieu nous donne... Avec discernement. Le bon Dieu ne nous demande pas de rentrer dans une grotte et d'attendre que ça passe. Non, nous pouvons survivre, c'est difficile, mais fort la grâce et le soutien du bon Dieu et notre bonne volonté et notre industrie humaine portée par la grâce, nous avons des engagements à tenir. D'abord, faisons des familles chrétiennes, des vraies familles chrétiennes, qui feront des enfants bien élevés, avec amour et autorité autant que faire se peut, et qui feront ensuite des prêtres, et qui feront ensuite de vrais et fidèles combattants de la foi et de la France. Oui, mais là, on est dans une logique, dans une situation aujourd'hui où tout est à reconstruire à ce niveau-là. Justement. Parce que là, il n'y a absolument plus rien. La société de base qui est la famille chrétienne, pas la famille-famille. C'est pas une famille lambda. On voit bien d'ailleurs dans le mariage pour tous, c'était la famille-famille. Donc la famille quoi ? Ben on sait plus. Puis à la fin, c'est d'ailleurs malheureusement des modèles familiaux complètement abstraits. Il y a des familles recomposées, décomposées, surcomposées. Ça devient très marketing, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Non, une famille chrétienne, ça a un sens précis. Ça peut se définir, ça peut se discuter, ça peut se former. On peut apprendre à la faire. Fort, l'amour et l'autorité. Les deux allant ensemble. Parce que quand on comprend ce message de Jeanne, aujourd'hui, quand on l'applique, on essaye de voir un peu quels sont... En tant que chrétien, le désespoir nous est interdit, mais force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Des jeunes qui ne lisent plus, des mobilisations, des dispersions qui n'ont pas véritablement d'intérêt ni véritablement de résultats, comme vous le disiez. Vous parliez justement de Civitas. On ne lit plus, on ne s'intéresse plus. Qui connaît aujourd'hui le message de Jeanne? Et on comprend mieux aujourd'hui l'importance du retour de cet anneau qui est annonciateur, probablement une réflexion profonde ces outils à donner à la jeunesse d'aujourd'hui. Oui. Mais je vais parler en finale des prophéties. J'ai beaucoup travaillé les prophéties. Je suis l'héritier de Jean Vaquier et de Marquis de la Franquerie sur les prophéties providentialistes, etc. Et on va comprendre certaines choses. Bien. Il y a une chose que je peux assurer, c'est que si vous faites ce genre d'action, quoi, Civitas et tout, vous n'aboutirez jamais. Bien, on a 200 ans d'expérience. Bien, quand je vois Ploncard de Sac parler donc de noyauter le Front National, mais c'est d'une débilité phénoménale pour faire voter comme il faut, etc. Mais non, mais on est dans le signe de peace, quoi. C'est la tribu, il n'y a qu'à Faucon, la tribu, etc. Mais je suis étonné qu'un homme qui part par ailleurs pour dire des choses très intéressantes sur des tas de sujets, quand on est là à dire il faut noyauter le Front National pour faire voter. Aussi l'histoire et la même vanité de la cité catholique. Absolument. Avec leurs histoires de capillarité, on est 1000, demain on sera 1500, on va tout réformer, mais voilà. Pour quel résultat ils l'ont fait, ça a échoué. Voilà. Point. Pourtant, il y a des pistes intéressantes, notamment chez Jean Housset, dans Pour qu'il règne. La grande erreur de Pour qu'il règne. Bon, j'ai fait une dizaine de congrès de Lausanne. Hein. J'ai été à la cité catholique, etc. Et même en mai 68, quand Housset fuit en Espagne, il faisait étape chez nous à Poitiers. Je suis un Poitevin, je suis né à Poitiers. Hein. Et donc, faisait étape. Et j'ai connu donc toute cette chose. La grande erreur, c'est qu'il parlait des 1000. Il fallait faire les câbles, les 1000. C'est comme si vous faisiez un train avec 1000 personnes sans locomotive. Et ça sert à rien. Hein, vous pouvez tout faire. Vous pouvez parler de la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église n'existe que si un gouvernant qui l'applique.
Et donc, c'est pas une abstraction, la doctrine sociale de l'Église. Aujourd'hui, on a une vision abstraite. Les meilleurs sont tordus. La doctrine sociale de l'Église, c'est une vie, c'est une incarnation, c'est un cœur qui bat, c'est concret. Et il faut un gouvernant catholique. Et le gouvernant catholique, en France, c'est Dieu qui le choisit. Et donc, on ne veut pas intégrer ce paramètre, qui est quand même le paramètre de l'histoire, hein, etc. Et on veut se trouver un gouvernant que nous choisissons, une Marine Le Pen, etc. Et tout. Mais c'est complètement, mais c'est effarant, quoi. 200 ans de bêtises, d'erreurs, d'échecs, et on ne tire pas les conclusions. Et à chaque génération, on recommence un mouvement pour, donc, ça a été, comment ça s'appelle, Romain Marie qui a lancé les affaires, après ça a été Maugente qui a lancé autre chose. Les jeunes, ils vont pendant 3 ans, 4 ans, au bout de 4 ans, ils se rendent compte que ça débouche sur rien, et on fait des gens qui, à vie, ne font plus rien. Alors qu'il faut faire, la grande chose qu'il faut faire, c'est faire des familles catholiques, faire des enfants catholiques. Qu'est-ce que c'est un catholique? C'est un adulte. Un adulte, c'est celui qui est capable de bien connaître le bien, le mal, le vrai, le faux, et de tenir seul s'il est seul. Et donc, nous n'avons plus de caractère. C'est ce que Holzer avait vu donc dans son interprétation de l'Apocalypse. Il dit, il faut en parler, il faut faire une conférence avec Holzer que j'ai redécouvert passionnément. J'ai fait plusieurs fois des conférences là-dessus. Mais Holzer dit, cette civilisation est sans nerfs, énervée, sans nerfs. Il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus de chefs de famille, etc. Et on veut refaire, parce que quand on aura des familles chrétiennes, on aura des évêques chrétiens. Ce sont les évêques qui ont fait la France. Ce sont les clercs et les moines qui ont fait la France. Et c'est ce qui nous manque. Et actuellement, nous avons quoi, le grand châtiment de l'Église conciliaire, c'est que, justement, ce sont les clercs qui ont détruit l'Église. Parce que nous avons des hommes qui ne tenaient pas devant l'erreur. Hein, au concile, 2500 évêques ont apostasié le 29 octobre 1963. Je vous lirai tout à l'heure les lettres de l'abbé Berthaud, hein, pour vous rappeler exactement ce qui s'est passé. 2500 évêques qui avaient grâce d'État, qui étaient tous docteurs en théologie, philosophie, droit canon, etc., qui avaient tous enseigné dans les séminaires et tout, et qui donc ont lâché devant l'erreur, parce qu'il manquait du courage. Et aujourd'hui, si on regarde bien, donc depuis 50 ans le combat, parce que je combats moi depuis 50 ans, hein, je connais le combat de la première heure, donc au moment du concile. Hein. Si on regarde le combat, ils ont lâché par peur, tout le temps. Ils n'avaient pas de principes. Nous n'avons pas de gens qui ont des principes. Quand en 1970, moi qui suis né à Saint-Hilaire de Poitiers, baptisé sur les fonts baptismaux du grand Saint-Hilaire de Poitiers, bon, j'ai vu mon vieux curé donc dire la messe avec l'autel retourné et ne pas plier le genou après l'élévation, je suis sorti et j'ai dit « ça, jamais ». Et je ne suis jamais retourné à une nouvelle messe. Ne pas plier le genou après l'élévation. Qui prenez-vous Dieu ? Eh oui. C'est effrayant. Il nous faut des hommes de principe, des hommes durs. C'est vrai qu'on prend des coups. Et Dieu sait si j'en ai pris. Hein, mais la responsabilité de l'Église est terrible dans cette histoire-là. Et aujourd'hui, comment reconstruire des familles catholiques s'il n'y a plus de catéchisme ou s'il est, excusez-moi de l'expression, vérolé ? Comment envisager de trouver de saints hommes si aujourd'hui la curie romaine n'est plus à la hauteur de ses engagements ? C'est quand même un problème, je dirais, profond, sans fin. Enfin, je ne sais pas comment on peut le déterminer d'ailleurs. Eh bien, on va attaquer la deuxième partie de Jeanne d'Arc. Dites par Pie XII, sauvez la foi. Mais c'est impensable que Pie XII, en 1956, parle de sauver la foi. C'est que Pie XII avait compris. Il faut méditer. Non mais, bien sûr, quand j'ai lu ce texte, sauver la patrie, on comprend. Sauver la foi, on comprend au jour d'aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à partir du concile, nous avons une révolution, là aussi, dans l'Église. Une révolution similaire à la Révolution française, qui a tout renversé, hein, qui a tout démoli. Ils ont changé, disent-ils. J'ai écrit une brochure qui s'appelle « Ils ont tout détruit ». Pardon, ils ont tout changé. Hein. Lisez, je me suis arrêté à 287 changements, hein, parce que j'en avais marre, quoi. J'aurais pu aller à 300, 350, etc. Mais non, ils n'ont pas changé, ils ont détruit. Et ils savaient ce qu'ils faisaient. Et donc, je suis un de ceux qui a partagé, donc dans ce combat, les étapes qu'on était obligé de réfléchir au fur et à mesure qu'on avançait. J'ai passé donc 8 jours chez Mel Gibson,
En 2005, l'année, donc, la semaine où est mort Jean-Paul II. Un matin, on prenait le petit-déj avec Mel Gibson et un ami. Hein, et Mel Gibson nous dit, hier soir, j'ai reçu un coup de téléphone de George Bush qui m'a demandé de l'accompagner à l'enterrement de Jean-Paul II. Je dis à Mel, mais on y va. Avec toi, toutes les divisions du monde sont là. On loue un hôtel, hein, etc. On fait une émission et puis on leur fout en l'air cette église conciliaire. Quoi. Bon, alors il n'a pas voulu suivre, qu'il reste avec nous. Bon, etc. Bien. Et donc, quand on est arrivé chez Mel Gibson, on s'est tous présentés, on était 50 personnes du monde entier. Bon, moi j'étais invité parce que j'étais très connu en Amérique pour avoir été avec le marquis de la Franquiche et le cardinal Siri, et donc avoir eu la preuve que le garde Sierra Siri avait été élu pape. Et donc j'avais, suite à cet entretien avec la Franquiche... À quelle occasion ? Oui, ben là, oui, mais ça serait trop long. L'élection de Siri. Oui, ben, ça a été deux fois, quoi. Une fois, donc, la première fois, c'était à la place de Paul VI. Et attendez, j'ai un doute. Oui. Et donc il a eu très peu de voix et il a demandé donc une confirmation et il n'y a pas eu confirmation. Et la deuxième fois c'était à la place de Jean-Paul II, Jean-Paul Ier, je sais plus. Bon bref, et là à ce moment-là, son secrétaire était venu me voir. Le secrétaire de Malachi Martin était venu voir d'Amérique suite à l'article que j'avais écrit dans une petite revue complètement confidentiel, qui s'appelait Sous la bannière, hein, auquel je collaborais à cette époque, et où j'avais raconté notre entrevue avec Siri. Bien. Et un jour, donc, Malachi Martin, qui parlait très bien le français, m'a téléphoné, on s'est téléphoné plusieurs fois d'ailleurs, après, hein, m'a envoyé son secrétaire, il voulait prendre des photos de moi, j'ai refusé parce que tout ça c'était quand même relativement important, mais cet article a été traduit un peu dans le monde entier, et donc on a su que Siri avait été le pape, et depuis la CIA a sorti des documents donc qui le prouvent, etc., etc. Bien, bon, et alors donc j'avais été invité chez Mel Gibson, bon, et là quand on était arrivé, je leur ai dit, je ne suis pas cédévacantiste. Ce que les gens disent, quoi, racontent. Parce que, je me souviens toujours à la tête de Mel Gibson et de son père, Hutton, qui se sont regardés tout à fait heureux en disant, mince, mais on s'est trompé sur le bonhomme. Tout. Bon, et tout. Et puis, j'en dis, parce que c'est pas du tout le problème du siège. C'est même pas le problème du pape hérétique, du pape mauvais élu, etc. Et tout. C'est quelque chose de beaucoup plus grave. C'est qu'ils ont construit une autre église dans les lieux et locaux de la véritable église. Bien. Et que cette église conciliaire, ce sont les papes conciliaires de la secte conciliaire, mais ce ne sont pas des papes catholiques de l'église catholique. Alors on parle de mauvais pape, tout ça. Mais non, ça n'existe pas un mauvais pape. Bon, ça peut être au niveau des mœurs, ça peut être, etc. Mais pas au niveau de la doctrine comme ils ont fait. C'est absolument impossible. Bon, on change tout. On change tous les sacrements. On change toute la doctrine. On change tous les catéchismes. On change toute la liturgie. Et on dit c'est l'église catholique. Mais ouvrez les yeux, c'est complètement effarant. Il faut, pour bien comprendre, quoi, etc., cette affaire, quoi, donc de la destruction de l'Église, il faut en revenir au secret de la salette. Parce que cette destruction, ça a été fait par les clercs. Nous, les laïcs, nous sommes des victimes, nous sommes des otages. Et nous sommes ainsi, nous défendre notre foi. Hein, parce qu'avoir la foi catholique, c'est ne rien changer. Nous, nous croyons et faisons ce qui a toujours été cru et fait. Nous, nous refusons... Nous acceptons le passé ne pose aucun problème. Ce qui pose problème, ce sont les nouveautés. Et nous refusons les nouveautés. Parce que Saint Paul nous l'a dit, refuser les nouveautés. Hein? Et donc, on peut éventuellement se dire, une nouveauté, on réfléchit. Mais quand il y a 50 000 nouveautés, tout le temps des nouveautés, et eux-mêmes changent encore tous les 5 ans, tous les 10 ans, etc., etc., jusqu'à une aberration, quoi, de système où on voit n'importe quoi, n'importe quelle cérémonie où personne n'est sanctionné, un seul est excommunié, c'est Mgr Lefebvre, et Mgr Guérard, etc., et tout. C'est-à-dire, donc, on a inversé la grille ami-ennemi. Mais quand on inverse la grille ami-ennemi, mais on n'est pas dans le bon camp. Moi, je crois la même chose que Jeanne d'Arc, je crois la même chose que Sainte Bernadette, je crois la même chose que Sainte Thérèse, Saint Louis, Saint Charlemagne, etc. J'ai la même foi que Jeanne d'Arc, j'ai les mêmes sacrements que Jeanne d'Arc. Et le message de Jeanne d'Arc, c'est terrible, c'est qu'elle revient pour nous dire qu'elle est la foi catholique et que ses sacrements et sa religion sont la religion catholique. Tandis que tous ces gens qui vont dans l'église conciliaire ne sont pas dans l'église catholique. Et c'est la deuxième partie du message de Jeanne. Et c'est une partie très grave. Parce que il y a une chose dont je suis absolument sûr, c'est que cette église conciliaire va complètement s'effondrer. Cette église conciliaire qui vit de la sodomie. Parce que, relisez Romains 1, 18, 32.
14 versets de la Sainte Écriture de Saint Paul pour expliquer le péché de sodomie. Et le péché de sodomie, c'est la sanction du péché d'aller contre la vérité connue. Qu'est-ce que c'est le concile ? C'est aller contre la vérité connue. C'est un des 6 péchés du Saint-Esprit qui ne peut pas être pardonné. Et donc, aller contre la vérité connue, 3 fois, il est mis dans Romains 1, 18, 32, et on les livrera à la sodomie, au péché contre nature. Et donc, c'est la sanction. C'est Dieu qui parle. Dieu est homophobe. C'est terrible. Bien. Non, mais... Non, mais c'est le mérite d'être clair. Et voilà. Oui. Que dire ? Bon, etc. Et là, ça va être une sanction. Dieu n'aime pas les bougres. C'est cela. Bon, et il y a une sanction. Et alors, en 2011, Le Figaro a fait un article, un article pas très long, où il explique qu'il a été fait une enquête dans le monde entier, en 2011, 20 000 pages de rapport. 20 000 pages, 40 tomes de 500 pages. 40 tomes de 500 pages, 1 mètre. C'est bien. Presque l'histoire de l'église de l'abbé d'Arras. Oui, tout à fait. Bien. Eh bien, 20 000 pages de problèmes de sodomie dans tous les diocèses du monde. Et vous avez un livre qui est sorti donc cette année, qui est un livre absolument... bon, qui nous apprend rien, nous qui avions écouté tous les travaux de Madame... ah là là, je ne vais pas retrouver son Randy nom. Randy Engel. Bon, les travaux de Madame Randy Engel, que donc le site Virgo Maria avait fait connaître, hein, montrant mais la sodomie partout, dans les séminaires, chez les évêques, organisé, chez les cardinaux. Bon, conceptualisé, préparé avec des enseignements de rituels sataniques. C'est épouvantable. Et le livre de Malachi Martin, La maison battue par les vents, qui vient de sortir, le roman du Vatican, qui est un livre dangereux. Je déconseille fortement aux jeunes qui n'ont pas la foi de le lire. Ils perdront la foi. C'est effrayant. Parce que cette église conciliaire, c'est effrayant. Bien. Et donc là-dedans, vous avez des crimes rituels. Vous avez des pactes sataniques. Vous avez des problèmes de sodomie terribles. Et puis vous avez une chose que je n'aime pas du tout. C'est de voir des héros de mon camp, hein, de la messe de Saint-Pie V, trafiquer avec le camp adverse. Moi, je suis un dans ma foi. L'église catholique est un. La Trinité est une. Et donc, nous croyons, faisons, et nous sommes un. Tout le monde dans nos milieux sont doubles. Ils se veulent conciliaires et catholiques. Ce sont donc des tradis de la conciliaire, mais si, ils sont doubles. Et être double, c'est être marane. Nous sommes dans une civilisation marane. La civilisation de notre époque est une civilisation marane, double. Et il faut en sortir, il faut revenir à l'unité. Et c'est ce que nous prêche Jeanne. Jeanne est une. Une avec la Sainte Trinité, une avec son roi, une avec donc l'ordre politique, une avec la paix, etc. Et donc, il faut réfléchir de tout ça. Alors, là, ce châtiment va arriver. Il commence juste à attaquer sur le problème. Donc, et là, parce que nos ennemis veulent faire vivre à l'Église ce qu'ils ont fait vivre à notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Bon. Et ils vont faire vivre. Il y a suffisamment de prophéties pour le savoir. Il y a suffisamment de documents de chez eux pour le savoir. Hein? Il faut les lire. Hein? On peut en citer une liste, etc. Tout. Là, on n'est pas du tout dans la théorie du complot. On est dans le complot assumé, ce que certains anglo-saxons appellent l'open conspiracy. C'est la conspiration ouverte, puisqu'il suffit de lire les auteurs qui ont annoncé qu'ils régleraient leurs comptes avec les catholiques. Voilà. Absolument. Et à l'heure actuellement, où ils ont tout pouvoir, quoi, nos ennemis, hein, qui se sont alliés avec tout le monde, parce que faut quand même comprendre que quand la Sainte Vierge dit « l'Église est éclipsée », elle explique quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est le message de la Salette. La Salette. Qu'est-ce que c'est qu'une éclipse ? J'ai fait une brochure sur « l'Église est éclipsée », où j'explique que la Sainte Vierge aurait pu utiliser 50 autres adjectifs que je cite. L'Église est occupée, etc. Et tout. J'ai dit « non, la Sainte Vierge n'a pas dit ça ». Elle a dit « l'Église est éclipsée ». Et après, j'étudie ce que c'est qu'une éclipse. Une éclipse, il faut deux astres. Et si l'Église est éclipsée, elle est éclipsée par un astre qui est autre chose que l'Église. Et il a fallu que ses ennemis s'unissent tous pour qu'il y ait éclipse. Et donc, tout ça s'est passé un jour très précis. Ça s'est passé le 29 octobre 1963. Et là, j'ai fait toute une page, vous trouvez ça sur mon site. Hein, vous pourrez vous reporter parce que toute la page est importante. Il y a deux pages, recto verso, hein, où je donne une lettre de l'abbé Berthaud. L'abbé Berthaud,
hein, était le théologien de Mgr Lefebvre au Concile. Et l'abbé Berthaud raconte ce qui s'est passé le 29 octobre 1963. Rappelons d'abord cette confidence que Michel Reboul, qui est une amie, m'a racontée, qui a été secrétaire de Jean Guiton, hein, et Jean Guiton donc, était un franc-maçon donc, très haut gradé, hein, et qui était donc celui qui était la présence maçonnique dans l'Église catholique, ou la présence catholique dans le monde maçonnique. Bien. Et Jean Guiton a dit à Michel Reboul, l'Église catholique est morte dès le premier jour du Concile Vatican II. Elle a fait place à l'Église œcuménique. Elle ne devrait plus s'appeler catholique, mais œcuménique. Et ça, il avait tout dit en une minute. Et donc après, on a vu donc tout le combat de cette secte pour l'œcuménisme, pour faire de la religion mondiale, pour mettre en place la religion mondiale, et en particulier avec tout le programme de Libé Lamezeg, dont le premier programme est de supprimer donc le sacerdoce. Et ça, ils l'ont fait avec le nouveau rituel du Sacre des évêques. L'équipe de Rore Sanctifica a fait une étude exhaustive sur le problème du nouveau rituel du Sacre des évêques qui n'a jamais été réfuté. Hein, on l'a caché, etc. Mais tous les gens qui ont étudié savent que le nouveau rituel est ontologiquement invalide. Ils nous font croire qu'il ne fonctionne pas. Il n'y a pas de pouvoir. Rappelons un petit peu des rudiments de sacrement pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément catholiques. Un sacrement, c'est une forme et une matière qui vont dispenser une réalité surnaturelle, une marque d'une réalité surnaturelle à la personne qui reçoit le sacrement. Donc il faut que ça fonctionne. Si quelque chose est changé, et le sacrement vient de Dieu, il est très précis. On ne peut pas le modifier. S'il est modifié, ça ne fonctionne plus. En d'autres termes, l'eau ne se transforme plus en vin et le pain ne se transforme plus en corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les gens qui donnent des absolutions n'ont pas pouvoir, etc. Et donc, même Saint Pie, dans la lettre Ex Quo Nono, allez sur mon site, lisez la lettre Ex Quo Nono, explique que l'Église ne peut pas toucher au sacrement. Et l'Église enseigne que tous les sacrements ont été enseignés par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même entre la résurrection et l'ascension. C'est rappelé dans le catéchisme de Gaume, c'est rappelé par Léon III, etc. Et, tout. Et donc tous les sacrements viennent de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut créer. J'aurais dû raconter quelque chose d'important. Bon, revenons à l'abbé Berthaud. Ce travail de perversion que vous datez de manière très précise au moment du Concile Vatican II est déjà en germe et en jachère depuis bien longtemps. D'ailleurs, Pierre Hilard en parle aussi dans ses travaux notamment, mais on peut remonter à bien plus loin, que ce soit le Sillon et d'autres choses dans une logique très libérale qui se sont développées depuis la Révolution française et peut-être plus avant, et de manière peut-être plus précise depuis la moitié du 19e siècle. Et lisons la Conjuration antichrétienne de Mgr de Lassus, qui fait le résumé de tout ça, bon, qui est un livre absolument extraordinaire, quoi, hein, qui est celui qui fait le mieux comprendre le lien entre le surnaturel et le naturel, et donc que la continuité du combat, que le combat donc qui s'est fait dans le ciel entre les anges déchus et les anges qui sont restés au ciel continue sur terre, et c'est le même combat au même niveau, etc. Et donc c'est la Conjuration antichrétienne qui vous permettra de comprendre tout cela, quoi. Bon, on a les prophéties, on a leurs plans, on a leurs écrits, lire Crétino Gelli, hein, en particulier, qui annonce tous les documents de la haute vente, qui donne tous les documents de la haute vente, etc. Mais l'abbé Berthaud écrit, hein, bon, le travail était formidable, il a été douloureux, nous avons pleuré à sanglots, le châtiment de Dieu était visible, hein, où règne un fils qui ne veut pas qu'on nous trache sa mère, le châtiment était ce honteux pataugeage, hein. Alors, nous avons en face des hommes d'un jour qui n'avaient qu'une heure, qui savaient que cette heure ne reviendrait pas, qui voulaient que cette heure fût celle de leur triomphe, et qui, pour triompher, ne ménageaient ni l'intrigue, ni les effets de surprise, ni les pièges savamment dressés, ni même, hélas, l'improbité. Dieu l'avait rendu infranchissable, foudroyant aveuglement. Il n'y a qu'une explication. Le funeste vote de la veille, apostasiant l'évangile des noces de Cana, loin d'inviter la Sainte Vierge, lui avait signifié son congé. Et l'encombré. À ce point, je vous interromps. Oui. Parce que rappelons où nous sommes, de quoi il s'agit, à quelle date précise et sur quoi on vote. Parce que là, vous êtes en train de lire le témoignage de l'abbé Berthaud, mais l'auditeur ne sait pas se situer dans le temps. Il s'agit du début du concile, du conciliabule de Vatican II, D'EUX, et sur le schéma, je crois, qui concerne la très sainte Vierge Marie. Voilà, absolument. Et donc, on consulte pendant le concile les pères du concile, et ils vont voter pour dire non, on n'en veut pas. C'est ça ? Voilà, absolument. Et donc, pourquoi l'abbé Berthaud, quand il a vu ça,
a été déchirée et a écrit tout de suite le soir même, je crois, oui, ou le lendemain matin, mais je pense que c'est dès le soir. Oui. Et pourquoi il a écrit qu'il avait assisté à quelque chose de jamais vu dans l'Église catholique, oui, c'est-à-dire une injure faite à la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et oui. Et lui saura en tirer les conséquences, quoi, terriblement, quoi. Alors il dit, voilà. Et la Vierge Marie s'est éclipsée, elle encombrait. La Vierge Marie encombrait le concile qu'il invitait à sortir. On ne se l'est pas fait dire deux fois. La terre n'a pas tremblé, la foudre n'est pas tombée sur Saint-Pierre. La Vierge Marie est sortie discrètement dans un profond silence. Seulement si discrètement, dans un silence si profond, qu'elle n'a pas dit « Vinum non abet ». Et les destins de la deuxième session ont été scellés. Quand on a un concile écuménique et qu'on fait sortir la Sainte Vierge, on devrait au moins se rappeler qu'elle ne demande qu'à s'effacer. C'est assez connu et qu'elle pourrait bien s'effacer trop. La Sainte Vierge n'ayant rien dit, Dieu n'a rien fait. L'eau est restée de dos, l'eau est restée de l'eau, même pas de l'eau potable, de l'eau de toilette, toujours comme à Cana, et encore avec beaucoup plus de mauvais microbes dedans, il y en avait de l'eau dans ses urnes. Et je continue, vous lirez. Mettre la Sainte Vierge à la porte est une opération qui peut avoir des suites et peut n'être pas ratifiée par quelqu'un qui lui a ouvert les portes du ciel. On doit voir plus loin que le bout de son nez et ne pas se figurer qu'on a droit au Saint-Esprit comme ça sur commande du moment qu'on est un concile. Dieu le Père peut-il supporter que le chef-d'œuvre de sa création soit humilié ainsi? Dieu le Saint-Esprit peut-il supporter que sa Sainte Épouse soit humiliée ainsi? Dieu le Fils peut-il supporter que sa Sainte Mère soit humiliée ainsi? Les anges, les élus, peuvent-ils supporter que notre reine soit humiliée ainsi? La Sainte Église peut-elle être humiliée ainsi? La gloire de Dieu, la justice de Dieu impose le plein triomphe de la très Sainte Vierge Marie, Mère de Louise. Prions, elle triomphera. Bien. Bon. Et donc, il était bon de rappeler ce document. Hein. J'aurais des tas de choses à dire, j'avais prévu des trucs. On peut... Au vu de notre discussion là depuis oui, quasiment un peu plus d'une heure et demie... Entre Jeanne, entre cette situation-là, ce message que vous portez, oui, que vous avez à cœur de transmettre, qui est pour vous une absolue nécessité, comment aujourd'hui peut-on être là justement? Comment passer de cette instruction de Dieu à Jeanne, de cette mise en place, de cette volonté de combattre, de comment on a pu à ce point se tromper sur le message de Jeanne? Bien. Parce que Jeanne a mis plus de 500 ans pour être sur les autels. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler qu'historiquement, il y a cette parenthèse dans la vie, oui, de Jeanne, absolument, entre sa mort jusqu'à sa réhabilitation. Oui. 500 ans, 5 oui, siècles. Oui. Bien. Et donc, c'est le plan de Dieu. Il fallait qu'une génération soit mûre pour cela. Le plan de Dieu continue. Saint Pidis, en mettant Jeanne sur les autels, quoi, et vous avez le livre du Père Hérol, Jeanne d'Arc sur les autels et la régénération de la France, qui est un livre aussi extraordinaire du Père Hérol, à étudier la plume à la main. Saint Pilice a permis une sorte de réveil, de restauration et d'une parenthèse d'à peu près un siècle. Mais le mal a continué. Le mal a continué. Et Dieu, depuis le Concile Vatican II, n'a qu'un seul plan, il vomit les tièdes. Parce que le plan de Dieu après est clair et net, c'est le règne du Sacré-Cœur. Le règne du Sacré-Cœur est grandiose. Ça sera le Saint-Pape et le Saint-Monarque. Tous les saints qui ont une vision, quoi, donc, de cette ère du règne du Sacré-Cœur ont vu, quoi, ces deux grands personnages, quoi. Même Louis Veuillot, dans la prophétie des écrits d'Onoso Cortés, a toute une préface expliquant quel sera le profil du grand monarque. C'est absolument extraordinaire. Alors, situons Louis Veuillot, il avait épousé une nièce de Mgr Gaume, il était un grand journaliste du 19e siècle, a été le patron de l'univers qui deviendra ensuite le monde d'ailleurs, qui n'est pas l'ancêtre du monde actuel. Et quant à Donoso Cortés, c'est un parlementaire espagnol qui d'ailleurs est écrivain et théologien, qui fut libéral. Et ayant vu les dégâts du libéralisme, en particulier en Espagne, avec les querelles dynastiques qui déjà à l'époque agitaient l'Espagne, et puis la pénétration maçonnique en Espagne, est devenu antilibéral, quoique il ne soit pas de pure doctrine, au sens où les Espagnols étaient très très perturbés à l'époque par les querelles politiques. Voilà. C'est pour situer, oui, pour les auditeurs, les personnages que nous nommons. Voilà, parce que ces personnages que vous nommez, justement, depuis le début de cette émission, prouvent la richesse et l'importance de cette pensée antilibérale. Ah bien, c'est absolument prodigieux. Bon, j'ai pu à peu près
collectionné 1200 livres sur l'école antilibérale. Bon, c'est une recherche énorme, quoi. La liste des antilibéraux, maintenant, est copieuse. Ça a été mon travail, hein. C'est 30 ans de travaux, de recherche. Bon, j'ai les originaux, la plupart, ou des photocopies, hein. Bon, j'ai retrouvé toutes les œuvres du cardinal Pi, et ce qu'on a écrit sur le cardinal Pi. Dites qui est le cardinal Pi. Ah oui, non, mais que les gens se reportent à mes bibliothèques, parce que je voudrais citer quand même une quinzaine de noms. Nos auditeurs ont besoin de savoir. Dans Le cardinal Pi était un fils du peuple, un vrai fils du peuple. Auquel vous êtes très attaché, mon cher Pierre. Oui, absolument. Avec Monseigneur Join, je crois. Ah oui, absolument. Avec Monseigneur Join, lui aussi, est fils du peuple. Qui a été, donc, pour le cardinal Pi, évêque d'Orléans, puis archevêque... Il faudra qu'on fasse une émission sur... Il faudra faire une émission sur l'antilibéralisme, parce que c'est la grande école. Quelle est la différence entre l'école antilibérale et les autres, hein? Et d'ailleurs, même Poula, quand il a fait son colloque, hein, autour de toute sa vie, quoi, il y a un énorme colloque avec des actes du colloque, finit en conclusion... Ah, que peut-être il s'était trompé et qu'il n'avait pas étudié le vrai problème. Et il dit, je connais quelqu'un, un amateur de livres, dit-il, qui a collectionné plus de 30 000 livres sur ce problème de l'école antilibérale. Bon, je n'ai pas 30 000 livres sur l'école antilibérale. Il était important de préciser que la pensée antilibérale, l'école antilibérale ne se limite pas à Jean Vaquier, au marquis de la Franquerie, au-delà de ce... Là. J'aimerais, cher Louis-Hubert Rémy, qu'on revienne un petit peu sur Jeanne d'Arc et parler de ce qui est peut-être le nœud gordien du sujet, enfin, entre autres, peut-être, probablement, la triple donation, sujet que vous avez travaillé et que vous avez à cœur de faire connaître parce qu'il est pour vous essentiel. Voilà. Eh bien, rappelons exactement cet événement. Le 7 mars... À Chinon, Jeanne demande à Charles trois choses. Le 7 mars 1429. Oui, le premier jour donc où elle a vu Charles. Et elle lui demande trois choses. La première, de pardonner à ses ennemis. C'est déjà très significatif parce qu'il n'y a que les catholiques qui pardonnent à leurs ennemis. La deuxième, de recevoir tout le monde. Parce que c'est dit pour venger à Azincourt, et à Orléans, on vengera à Azincourt, surtout à Pathé d'ailleurs, hein, et donc où la noblesse s'était coupée donc du peuple et avait été passée à... Bon, il n'y a pratiquement plus de noblesse ancienne. Au Laminoir, complètement. Oui. À Azincourt, il faut comprendre que, contrairement à Bouvines, à Azincourt, la noblesse refuse le secours du peuple, la piétaille, ce qu'on appelait la piétaille, en disant non, nous... On ne veut pas se mêler aux basses extractions. Le résultat, c'est les trois quarts quasiment de la noblesse française disparaissent à Azincourt. C'est énorme. Voilà. Et à Pathé, le peuple est accueilli pour le combat par Sainte Jeanne d'Arc, généralissime des armées du royaume. Peut-être la bataille la plus importante de Jeanne d'Arc, comme vous aimez à signaler. Absolument. Justement Pathé. Parce que Pathé, bon, l'expression prendre la Pathé, hein, 2000 Anglais sur le terrain et 2 Français. À une époque, on combat un pour un. Et les Anglais étaient effrayés parce qu'ils voyaient Saint-Michel et tous les anges autour de Charles, etc., etc. Bon, et alors, quasiment au lendemain... aucune victime franque, ouais. Pendant la bataille de Pathé. Ouais. Alors que les Anglais perdent, je crois, oui, 2000, ce qui doit faire à peu près la moitié des troupes engagées à Pathé du côté anglais. Et alors, auréolé de cette victoire, qui a été une victoire énorme, quoi. On a fêté ça à Orléans, quoi, le samedi, hein, puisque c'était, etc. Elle se retrouve le mardi suivant avec Charles tout seul. Sully n'était pas là. La Trémouille n'était pas là. Il était resté à Sully-sur-Loire. Hein. L'infâme La Trémouille. L'infâme La Trémouille, oui. Que Charles va être obligé un jour de tenter d'assassiner. Bon, il était tellement gras que le couteau n'est pas rentré dedans. Mais il était... C'est un type qui est ignoble. Avec Rognaud de Chartres, ils ont des responsabilités gravissimes. Quand Jeanne a été prisonnière et après dans le procès de Rouen, etc. Quoi. Bon, bref. Elle se trouve à Saint-Benoît-sur-Loire. Et auréolée de cette victoire, elle se retrouve avec Charles et lui dit, Jeanne, dit à Charles, « Sire, me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai ?» Ce qui est très malin, quoi, plutôt que d'attaquer comme à Chinon. Et Dieu sait si ça devait lui la ruminer, parce qu'une idée pareille ne venait pas d'elle, c'est évident. Ça vient de Dieu, c'est que Dieu veut ça. Et donc, elle n'avait pas réussi sa mission à Chinon, quoi. Et donc, la troisième partie que j'ai oublié de dire, quoi, donc de donner le royaume à Jésus-Christ, et que Dieu ferait pour Charles ce qu'il avait fait pour ses générations précédentes. Ce qui est quelque chose d'historique, en plus, extraordinaire, quoi. Les générations précédentes étaient protégées de Dieu.
On peut le prouver, la monarchie française, ce sont que des miracles. Je rappelle quand même que le miracle est un des paramètres essentiels de la religion catholique. Nos églises sont pleines d'ex-voto, enfin étaient pleines d'ex-voto. On les a supprimées pour nous faire croire qu'on pouvait vivre sans ex-voto. Mais nous avons encore des églises intégralement couvertes d'ex-voto, comme Notre-Dame des Armées, comme à Issoudun, la basilique du Sacré-Cœur, comme la Dorade à Toulouse. Et vous n'avez aucun ex-voto dans aucune mosquée, dans aucun temple protestant, dans aucune synagogue. Voilà la différence entre notre religion et les autres. Et les gens ne payent pas une ex-voto pour le plaisir d'avoir son nom marqué. Ils payent une ex-voto parce qu'ils ont été protégés, ils ont été guéris et ils ont reçu des grâces, etc. Et alors, sachez quand même que depuis la révolution qui a produit l'église conciliaire, dans toutes les églises de France, ils y sont allés au marteau et au burin pour arracher l'immense majorité des ex-voto. Elles en étaient couvertes. Il y avait 600 000, d'après le livre Marie et Reine de France de l'abbé Fusier, hein, qui est un livre remarquable, absolument à étudier. Bon, il y avait 600 000 édifices religieux en France, entre petit oratoire, grand oratoire, petite chapelle, etc., cathédrale et compagnie. Et dans chacun de ces édifices, il y avait une statue de la Sainte Vierge. Ce qui a fait dire à Urbain II, quand il est venu pour la croisade, quoi, Regnum Galliae, Regnum Mariae. Et nous avons souvenir d'être montés jusqu'en Écosse, quoi, et ne pas avoir eu une seule statue de la Sainte Vierge dans toute l'Angleterre, etc. Bon, ce sont deux mondes, voilà. Bon, revenons à Charles. Bon, sire, me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai? Le roi hésite, puis consent. Sire, donnez-moi votre royaume. Le roi, stupéfait, hésite de nouveau. Mais tenu par sa promesse et subjugué par l'ascendance surnaturelle de la jeune fille, Jeanne, lui répondit-il, je vous donne mon royaume. Elle est reine de France. Cela ne suffit pas. La pucelle exige qu'un acte notarié en soit solennellement dressé et signé par les quatre secrétaires du roi. Acte officiel que nous avons cherché partout. Et qui demeure introuvable à ce jour. À ce jour. Je suis convaincu qu'il existe. Allez, bon. On a des preuves de son existence. Hein. On a preuve que ça existait, mais il a disparu. Bon, il faut savoir que dans toutes les archives de France, vous avez deux années qui manquent aux archives nationales. L'année 1429 en est une. Voilà. Après quoi, voyant celui-ci tout interdit et embarrassé de ce qu'il avait fait, il a dû se mordre les doigts à ce moment-là. Voici le plus pauvre chevalier de France, il n'a plus rien. C'était une parole de roi. Et on ne savait pas ce qu'allait se passer. Et si Yolande avait été là, la belle-mère, la merveilleuse Yolande d'Anjou, la femme extraordinaire qu'est Yolande d'Anjou, qui est celle qui a fait Charles VII et qui après fait le conseil de Charles VII, hein, et permis à la France de ressusciter, hein, certainement qu'elle aurait dit à Charles « On se calme, hein, on se calme ». Et là, donc, puis aussitôt après, très grave, elle parle en reine et s'adressant au secrétaire, « Écrivez, dit-elle, Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ. » Jésus-Christ, roi de France. Il n'a jamais demandé d'être roi de Belgique, il est roi du monde, le roi de l'univers. Il a demandé d'être particulièrement roi de France. Quelle importance! Un roi ne va pas lâcher ses sujets. Il faut, etc. Et bientôt après, Jésus rend le royaume à Charles. Ce qu'on appelle triple donation. Donation à Jeanne, donation au Christ, donation à Charles. Parce que c'est Jésus-Christ qui donne le royaume au roi de France. C'est lui qui est le maître de France. Et donc, c'est une importance colossale pour la France. Il n'y a pas d'autre solution pour la France. Et tant qu'on choisira autre chose, tant qu'on s'enfermera dans le vote, à essayer de faire plier Dieu, à voir, donc, on aura toujours ou des élus mauvais, même si Mme Le Pen, demain, est élue présidente de la République. Mais il n'y aura rien de changé. La pyramide de commandement, ça sera toujours plein de francs-macs, etc. Par contre, qu'entre Dieu viendra, il y aura un énorme miracle. Car rien ne se fait sans miracle. C'est continuel dans les choses de Dieu, pour prouver sa signature. Et là, ça sera comme avec Clovis. Les 3000 chevaliers qui étaient autour de Clovis ont vu le miracle, ont été la pyramide de commandement, et nous avions une pyramide de commandement chrétienne. Et quand il y aura un miracle, les 60 000 qui sont dans la pyramide de commandement, parce que se convertiront à ce moment-là, et donc seront la même pyramide de commandement qui prendra la suite, hein, donc pour rediriger la France, et tous les gouvernés n'auront plus rien à faire.
Oui, enfin, il y aura quand même quelques comptes à régler. Voilà. Hein? Ce ne sera pas perdu pour tout le monde. Je remarque au passage, si vous permettez, que à ce point, il faut rappeler une évidence qui nous saute aux yeux, mais qui est quand même instructive. À une époque où on stigmatise la vraie Église catholique, qui est éclipsée aujourd'hui, d'avoir été méprisante avec les femmes, que sais-je encore, on remarque bien que Dieu se sert à nouveau d'une jeune femme de 18 ans, vierge, pour aller voir le gouvernant. Il faut bien se rendre compte de ce que c'est. Essayez d'aller voir dans n'importe quelle autre civilisation si vous trouvez une femme qui a un rôle réel, historique, pas fantasmé, pas une invention, aussi important. Cela n'existe pas. Cela rappelle, par exemple, à M. Rocard, s'il nous écoute, qu'il est quand même compliqué d'avoir dit en son temps, puisqu'il l'avait écrit même, que l'Église n'avait jamais reconnu longtemps que la femme avait une âme. Tout ça, on est dans le grotesque absolu. Voilà, la réalité historique nous rapporte de bien autre chose. C'est une pierre dans le jardin des pseudo-féministes, et c'est une pierre aussi, soyons honnêtes, dans le jardin de gens qui sont un peu trop virils ou qui confondent la virilité plus exactement avec l'abus de pouvoir de l'homme sur la femme, car ça existe aussi, il faut pas hésiter à le dire. Bien. L'heure passe, le temps nous est compté, comme dirait l'autre. Pour terminer notre émission, on a fait ce panorama très général, cette présentation générale et en même temps très précise du rôle de Jeanne et de sa mission. Et je voudrais revenir à l'anneau, en quelque sorte, pour terminer notre émission et faire, cette relation évidente entre le retour de l'anneau et ce que vous nous avez dit auparavant. Comment peut-on envisager l'avenir? Que doit-on espérer et comment y parvenir justement? Et comment, au travers de cet anneau, retrouver les fondamentaux de tout ce que vous nous avez expliqué là à l'instant, depuis maintenant pratiquement 2 heures? Bon, j'ai d'abord écrit un certain nombre d'ouvrages auxquels on peut se reporter. J'en fais une recension rapide sur un certain nombre de sujets. J'ai écrit un livre sur Holzhauser et autres prophéties, et dedans en particulier je donne la prophétie de l'abbé Lehmann sur le dénouement de la persécution, où donc en 4 points il explique comment se fera le dénouement de la persécution. Vous avez la prophétie de saint François d'Assise qui était complètement inconnue, qui a été traduite il y a à peu près une trentaine d'années, dans lequel il est annoncé, vous y reporterez, qu'à un moment il y aura 2 papes, et que le deuxième sera un destructeur complet de l'Église. Nous y sommes. Bien. Pour le dénouement de la persécution, l'abbé Lehmann, comme le vénérable Holzhauser, parle quand même d'un petit nombre très purifié. Il faut qu'un sauveur ne vienne sauver que quand tout est perdu. Bon, la révolution, c'est Jésus-Christ hors la loi. La révolution conciliaire, c'est Marie hors l'Église. Et donc, tout cela, Dieu est jaloux de sa gloire et Dieu seul solutionnera le problème. Mais Dieu ne construira pas le monde avec rien, mais avec des riens. Et donc, il faut fabriquer, être en correspondance avec ce que Dieu veut. C'est ce que Jean Vaquis a très bien expliqué dans sa brochure remarquable, La bataille préliminaire, que j'ai mis dans le livre sur Sainte Jeanne d'Arc, etc., que je conseille de lire, qui a été très diffusé, mais qu'il faut méditer pour savoir où on va aller. Parce que la première chose qui va se passer, la justice de Dieu va passer. Et quand la justice de Dieu va passer, il faut la laisser passer. Et la première chose, les mauvais vont s'entretuer. Les mauvais vont s'entretuer entre eux. Laissons faire. Ne rentrons pas dans ce combat. Gardons notre énergie. Gardons nos troupes pour le combat du Sacré-Cœur. Et pendant ces combats, pour tout simplement survivre avec astuce, intelligence, protégeons-nous, faisons tout ce qu'il est nécessaire de faire pour passer ces épreuves. Mais en ayant fait un pas de côté, en gardant la foi, l'énergie, l'esprit d'entreprise, mais un pas de côté, comme dit et en priant, bien entendu, et comme le dit fort bien Louis Hubert, en laissant les méchants s'entretuer. Ils vont tous essayer de nous attirer à eux. Ils vont nous demander d'entrer dans le combat. Ils vont nous demander de voter. Ils vont faire la mobilisation générale. Ils nous enverront peut-être au feu, etc. Il faudra redoubler d'astuces, d'inventivité et de ténacité pour survivre à ces écorchements.
et on vous dira « Les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire !» Eh bien, jamais Jeanne d'Arc n'a dit ça. Jamais. Jeanne d'Arc a dit « Oh non Dieu, les hommes d'armes batailleront !» Et les hommes d'armes, c'est des hommes spéciaux. Le combat ne se fait pas avec des femmes et des enfants, même pas avec des clercs. Le combat, c'est des hommes d'armes, des hommes spéciaux. Nous n'avons pas d'hommes d'armes. Et donc, nous ne pouvons pas faire ce combat. Bon, préparons-nous. Préparons-nous à être... Donc, à faire le combat du règne du Sacré-Cœur. Un jour, ça sera sportif. Et les gens qui veulent se bagarrer, se bagarreront et vaincront. Parce qu'ils vaincront à l'heure. Impossible de vaincre avant que Jeanne ait dit. Hein. Elle le dit à un moment déterminé, que je retrouve absolument ce passage fondamental où elle dit « Nul au monde, ni roi, ni duc, ni fille de roi d'Écosse ne peuvent recouvrer le royaume de France. Il n'y a de secours que de moi. » Parce qu'elle le sait. C'est pas de l'orgueil. Hein, c'est pas, etc. Elle l'a prouvé. Il n'y a de secours que d'elle. Pour le moment, personne n'est capable de dire ça. Personne n'est capable d'être le chef. Personne n'est capable de dire « Suivez-moi, nous allons gagner. » Tous les gens qu'on va emmener, les généraux, tous ces types-là, c'est des tordus, etc. Il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Ils ont servi pendant la République pendant 50 ans, et vous croyez qu'ils vont servir le règne du Sacré-Cœur? Il faudra qu'il y ait quelqu'un d'autre qui les dirige. Ces gens-là sont incapables de comprendre même le combat. On peut imaginer que ces gens-là peuvent aussi avoir été trompés et revenir justement. Voilà. Comme ils sont revenus avec Jeanne. Mais voilà. Hein, les Laïrs, les Gilles Doré, etc. Et tout. Ils ont gagné avec Jeanne. Ouais. Le grand problème de la leçon de Jeanne, il n'y a que elle qui peut faire quelque chose. Et alors, il y a les hommes d'armes, mais il y a aussi tout le reste de l'activité humaine. Parce que Dieu, une fois qu'il leur a parlé, se servira des hommes, évidemment, pour reconstruire. Il faudra des juristes, il faudra des... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il faudra absolument toutes les compétences. Et c'est surtout retrouver les fondamentaux de la société chrétienne. Et quand on se pose la question, oui, mais alors, vous êtes providentialiste, alors, finalement, vous attendez que ça tombe tout cuit dans la bouche. Mais pas du tout. Il faut se former, il faut combattre, il faut survivre, et il faut se préparer. Et... à se battre physiquement et à se battre moralement, à se battre en demandant le secours de la grâce par la prière et à se battre au moment aussi de la phase où il faudra construire, solidifier, bâtir les piliers du règne du Sacré-Cœur pour la part que Dieu demandera aux hommes. Mais celle-là, il faudra des compétences. Donc, il n'y a pas rien à faire. L'engagement... Des catholiques, des magistrats catholiques, des dentistes catholiques, des médecins catholiques, des agriculteurs catholiques, qui ne soient pas donc des gens qui nous tuent avec tous leurs produits chimiques, etc. etc. Voilà. Et rien ne passera sans la formation. Et pour quelle meilleure formation que d'inviter nos auditeurs à retrouver vos ouvrages, notamment les textes à retrouver sur votre site, le www.acrf.org. net.com, je sais plus, enfin bref, vous tapez, je l'ai sur ma carte de visite, voilà, vous tapez Louis Hubert Rémy sur internet et vous tombez directement sur la CRF. Là, vous y trouverez une mine d'informations et de textes. Pierre parlait justement de formation, se former, tout y est, tout est là. Et ensuite, renvoyez, bien sûr, je vous laisse la parole. Retrouvez aussi vos ouvrages qui sont vous nous en avez, donné la preuve ce soir de l'ordre de l'évidence dans les travaux qui sont les vôtres. Je vous laisse la parole, monsieur Louis Hubert Rémy. Oui, j'ai aussi écrit un ouvrage sur Maurras, tournant la page. Maurras a tué les intelligences françaises. Là, on va pas se faire que des amis, je vous le dis tout de suite. Oui, mais bien sûr. Mais lisez ma brochure et réfutez. Lisez et réfutez. Et dites-moi où j'ai tort. Et vous comprendrez en lisant. Je sors des textes époustouflants. C'est pas avec Maurras qu'on sortira la solution. Bon, j'ai fait une brochure sur la vérité, sur le pendule et le magnétisme, oui, parce que les gens sont très imbriqués dans ce genre de choses. Qu'est-ce que vous voulez? Le pendule répond à toute question par oui ou par non. C'est donc une intelligence. Quelle est cette intelligence? Sainte Marguerite d'Écosse. Poser la question, c'est peut-être déjà y répondre, d'ailleurs. J'ai fait un livre sur vrais et faux principes et maîtres, hein. 500 pages, 450 pages, je veux dire. Bon, un livre sur le fonctionnement de l'éclipse. L'Église est éclipsée. Bon, un livre sur « Ils ont tout détruit ». Aussi, une brochure intéressante sur Mgr Lefebvre et le cédévacantisme. Bon, tout ça, etc. Vous pouvez peut-être nous en dire deux mots, parce qu'aujourd'hui, je dirais pas dans l'inconscient collectif, mais même aujourd'hui, dans l'image de la tradition, Mgr Lefebvre incarne encore cette opposition au Concile Vatican II. Qu'en est-il pour vous? Absolument, mais il n'est pas allé loin. Il n'est pas allé assez loin dans la réflexion et dans la solution. En a-t-il eu le temps et la force? Eh bien, le bon Dieu Saint-Paul explique que les hérésies durent pour savoir qui est qui. Et donc, Mgr Lefebvre n'a pas tout vu.
Monseigneur Lefebvre n'a pas tout résolu, on est tous conscients. Mais ses successeurs ont de plus graves responsabilités parce qu'entre-temps, les choses avaient été étudiées et vues et eux se sont enfermés dans des erreurs qui vont être châtiées terriblement. Il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, dans les autres brochures, Chrétien ou Marane, c'est une brochure que j'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup étudié ce problème-là avec des confidences, enfin, avec des documents très, très intéressants sur Chrétien et Marane. J'ai une autre brochure sur le problème de l'unacum, problème de leur présente, c'est-à-dire sur l'oblation pure. Bon. Et non, mais dans les choses peut-être un petit peu plus techniques. Voilà. Bon. Et en plus, une brochure sur les chevaliers du Christ au roi de France. Bon, avec quelques amis, on a pensé que des hommes pouvaient se consacrer par la prière hein, et par un peu d'action autour du problème des Christ au roi de France. Bon, sans ambition, sans prétention, sans souci, etc. Mais avec donc une intelligence et un sens de l'action tout orienté sur le Christ au roi de France. Voilà, tout ça, c'est disponible. Vous allez sur le site. J'espère ne rien avoir oublié. Et puis, il y a quand même deux choses dont j'aimerais parler, quoi, absolument fondamentales pour nos jeunes. Alors, pour les jeunes, lisez la brochure Credo de Monseigneur Gaume. Credo ou refuge du chrétien dans les temps actuels. C'est remarquable. Je suis un passionné de Monseigneur Gaume. J'ai retrouvé tous les écrits de Monseigneur Gaume. Je les ai félicités. Et Dieu sait, il y a plus de 50 titres, hein, etc. J'ai tout trouvé. Hein, et tout, c'est absolument extraordinaire. Ce sont des textes qui datent du 19e siècle, mais qui sont d'une actualité brûlante. Dans tous les domaines. Le traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume est quelque chose de prodigieux, hein, etc. Bon, lancez-vous dans ce genre. D'abord, la première chose fondamentale, il faut bien connaître la vérité. Et n'attaquez pas l'erreur, n'attaquez pas l'ennemi sans avoir bien connu la vérité. D'abord, et quand. Voilà. D'abord le catéchisme, et là je conseille deux catéchismes. Bon, le Spirago, donc en un tome, hein, qui à mon avis est le meilleur. J'ai beaucoup étudié les catéchismes, je dois en avoir, je sais pas, 1m50 à la maison. Hein. Et le deuxième, c'est le catéchisme de persévérance en 7 volumes de Monseigneur Gaume. Mais quand vous connaîtrez le catéchisme de persévérance, vous en connaîtrez plus qu'un prêtre d'icône. Je suis navré de le dire, mais c'est vrai. Eh bien, alors... Avec des éléments, mais bon, qui sont pas actualisés, mais des éléments de catéchisme qui sont absolument remarquables de Saint-Pierre Canisius, qui était un catéchisme sous votre contrôle très réussi. Mais comme il date du 18e, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas évoquées, puisque. Voilà. Et pour retrouver ces éléments, on peut retrouver sur le www.saint-libert, oui, comme vous le disiez, on retrouve ces textes-là. Voilà. Ou les SRF, oui, oui, d'accord. Voilà. Une brochure que je conseille très très fortement pour aborder la vérité. C'est celle, bon, vous avez le Don Sarda et Salvani, donc, qui est le manuel du combattant. Le libéralisme est un péché. Mais le manuel des officiers, c'est de l'abbé Louis Guy, hein, du modérantisme ou de la fausse modération. Et là, c'est pour vous former l'intelligence à la vérité. Dieu n'a pas dit « je suis la charité », il a dit « je suis la vérité ». Hein. Et donc, très souvent, on veut nous enfermer dans une charité libérale qui est en dehors de la vérité. Et le problème de la formation, donc de l'antilibéralisme fait par les maîtres de l'antilibéralisme, c'est qu'on est des hommes de vérité, quel qu'en soit le coût et quelle qu'en soit l'épreuve. Quoi, charité, c'est le Saint-Esprit. Alors, dernière quand même petite brochure, avec une lettre du père Hérol, sur Jeanne d'Arc et l'action française, une enquête qui a été faite dans un bulletin que j'ai redécouvert quoi, au début du XXe siècle, avec une page absolument remarquable, hein, qui devrait être connue par cœur, qu'on le ferait faire apprendre à toutes les gens par cœur. Oui, Jésus-Christ est le vrai roi de ce saint royaume de France. Et depuis Saint-Remy jusqu'à la déclaration sacrilège qu'il détrôna, nos souverains visibles n'ont été que ses lieutenants. Oui, la révolution est dans l'acte qui bannissait Jésus-Christ de la loi civile et ne seront toujours en révolution tant qu'on n'aura pas rétabli la royauté telle que la concevait Jeanne d'Arc, telle que la concevait l'ancienne et vraie France, soit le règne de Jésus-Christ. Oui, il est métaphysiquement et donc physiquement impossible de restaurer jamais la royauté traditionnelle en dehors de ses fondements. Oui, tant que cette restauration, la seule à souhaiter, parce que c'est la seule efficace, ne sera pas chose accomplie, nous ne serons unis français que par un lien extérieur. Oui, aux citations du grand Joseph de Maistre. Oui, aux vues sur la Sainte Union, la Ligue, œuvre du peuple, qu'on peut très bien recommencer. Et qu'il faudra recommencer, faute de quoi la France est perdue, mais qu'on ne peut recommencer que dans son esprit d'autrefois. Oui, à l'impossibilité, au non-sens qu'est le lieutenant, quand disparaît celui dont il occupe la place et dont il détient les pouvoirs. Oui, à l'obligation où sont les fils de Saint-Louis pour avoir droit à ce grand titre, de ne voir dans la royauté que ce qu'y voyait Saint-Louis.
Oui, oui, à l'incapacité radicale où sont les athées de ne rien comprendre à l'histoire de Jeanne d'Arc, ni même à l'histoire de France, qui ne peuvent que profaner. Tout est dit. Voilà, il me reste à vous remercier, cher Louis-Hubert Rémy. Je voudrais également, comment dirais-je, donc envoyer nos auditeurs, bien sûr, à tous vos ouvrages et citer une réflexion aussi autour de Jeanne d'Arc qu'il était nécessaire, indispensable de signaler à nos auditeurs au travers, effectivement, de cet épisode de l'anneau, annonciateur probablement de beaucoup d'autres choses, comme vous l'avez fort justement expliqué. Je voudrais également saluer madame votre épouse, qui était là aussi ce soir, qui nous a écoutés et qui était à vos côtés et qui partage vos travaux. Et il faut aussi le signaler et il faut aussi le rappeler. Il me reste aussi à vous remercier, cher Pierre, d'avoir été parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Oui, juste un petit mot pour finir sur Sainte Jeanne d'Arc. Elle nous apprend, elle nous enseigne à continuer de combattre avec les vrais principes, en prenant nos forces aux vraies sources. Voilà. Je crois que là, ce soir, tout a été dit, ou presque. J'ai pas dit la moitié de ce que j'avais à dire. Bon, écoutez, ce sera l'occasion de vous faire revenir. Hein. Mais je crois surtout, l'idée était de vous faire connaître une autre Jeanne, celle qui vous tient à cœur, celle que vous estimez comme étant la seule, la vraie, l'unique, et non pas la Jeanne que parfois on nous fait passer pour mythologique, mythique ou je ne sais quoi, ni l'incarnation de la République, comme on aime parfois nous le rappeler également. En ce mois de mai... si important pour nous et pour fêter Sainte Jeanne d'Arc. Je renvoie donc tous nos auditeurs à vos ouvrages et à votre site internet. Merci monsieur, merci madame. Et puis cher Pierre, comme d'habitude, à l'abordage. Et pas de quartier. Et pas de quartier. Salut à tous.